Kia ora nei tō tātou whareira i tēnei pūpū. Whātere rāo te whenua, tō whātere hau, nā Armin Masrua. Mō te amaiti hea te nuna, te maupapa e wea. Atirei tā mei te pūpū. Anā tui te whiaro he pā tāpura rāo te whenua, papa i praurhei. Mai te tātou i te arwhanau tātou i tō tātou whareira i tēnei pūpū. E anira a te e nā i tātou. Whāro tātou, whāro mai te tei, aito te tei toa, no whātua ai toa, papa matarau, te motu ai tau, te matarohi aratui, tō tātou whenua, te paturu, papu i te prau, no tō tāua hiroa, tō tātou hiroa. Tei, amu mai te e tāpuru hibere tui te roan au te tauri tu ane i te tare tia, tēnu atūru tui te tātou whanhor a Te whātarehia mai te rātau e ori hiro. Te niro i tātou e nehea me tātou e whātura hoi miniti e tia tātou pātou e nia. Maruru mai tei. Whara nō rātu i tātou e tūgu tō roa hunara ai te ea watea horapiti. I hapeta oai. Alors ce matin nous allons démarrer par un débat sur trois projets d'arrêté relatif à des acquisitions immobilières. Qui c'est qui veut prendre la parole? Monsieur Bissou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Madame la Ministre, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants. Monsieur le Sénateur, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, Yarana, Tatoporoa, Yarana et Hanapi. Monsieur le Président, nous étions arrêtés vendredi sur une proposition de rédaction d'une résolution touchant aux questions d'acquisition foncière par le pays auprès de l'État d'anciennes propriétés acquises par l'État ou de propriétés ayant fait l'objet de transferts ou de mise à disposition ou de transferts à titre gracieux par le pays à l'État, et c'est notamment le cas de ce domaine situé à Outroa, ayant servi à la construction de la résidence de l'administrateur d'État des îles Sous-le-Vent. Et cette proposition de rédaction d'une résolution s'est concrétisé ce matin suite à une rencontre que nous avons eue entre des représentants Totatoaia et Temana Notemomotu ainsi que des représentants de l'UDSP. Nous avons remis une proposition de rédaction d'un exposé des motifs et d'une proposition de résolution qui manifestement convient à l'UDSP, qui par contre souhaite introduire un paragraphe. Et ce paragraphe touchant le fait que l'on souhaiterait que l'État considère la Polynésie française comme un partenaire dans toute transaction de vente de ses propriétés, sans parler forcément de droit de préemption, mais je comprends que c'est un peu cela. Voilà. Si nous en sommes d'accord ensemble, il conviendrait donc de suspendre notre séance pour solliciter la convocation immédiate de la Commission des affaires civiles. Alors j'hésite, Monsieur le Président, on pourrait peut-être demander
à Madame la secrétaire générale de nous éclairer sur ce sujet. Soit c'est la commission des affaires civiles, soit c'est la commission de l'aménagement qui pourrait donc siéger pour regarder de près cette proposition de résolution. Évidemment, on corrigera ensemble pour ensuite valider et revenir en séance. Le problème du délai obligatoire d'information des représentants se pose. En ce qui nous concerne, si l'UDSP en est d'accord, nous pourrions convenir ensemble du fait qu'on renonce tous ensemble à ce délai obligatoire de 4 jours pour que nous puissions traiter de ce dossier et valider donc la proposition de résolution. Voilà notre position par rapport à cela. Merci. Merci. Je peux vous emmener la réponse à la commission de l'aménagement qui doit donc se réunir pour et ensuite avec les représentants de chaque parti pour la rédaction de ce document. Donc, je consulte l'Assemblée sur la suspension de séance à l'unanimité. Marourou, pour la suspension. Marourou, la séance est suspendue. La séance est reprise. Et à Madame Itato, par l'immédiatement en tant qu'Arapano Tetare, veuillez accepter nos excuses pour ce petit retard dû à des contraintes techniques. Nous nous sommes réunis, les présidents de groupe, pour décider de l'additif à cet ordre du jour que je vous demande d'approuver en inscrivant cette résolution, ceux qui sont pour. À l'unanimité, je vous remercie. Est-ce que cette résolution a été distribuée à tous les représentants? Ça y est. Donc je vous propose et je demande à l'un d'entre vous, M. Jean-Christophe Bouissou, de nous lire l'exposé des motifs avant de passer ensuite à la résolution. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir pris patience pendant que nous étions en commission pour avoir une position commune et unanime sur à la fois l'exposé des motifs et la proposition de résolution que nous avons co-signée avec les présidents de groupe ou vice-présidents de groupe présents. Exposé des motifs relatif à une proposition de résolution sollicitant la cession à titre gracieux ou pour une somme symbolique des terrains appartenant à l'État. Par 3 projets d'arrêté transmis pour avis à la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française a souhaité faire l'acquisition de divers terrains propriétés de l'État afin notamment de lancer les opérations du contrat de projet. Construction d'un centre de dialyse à Outroa, construction de logements de transit dans le cadre de la résorption de l'habitat insalubre, augmentation du parc de logements sociaux. Or, à la surprise des représentants de l'Assemblée, il est apparu que ces terrains devaient être achetés à l'État qui, après étude, en avait acquis la propriété de certains à titre gracieux de la Polynésie française. Il convient tout d'abord de préciser que sur un plan purement éthique, il n'est pas acceptable qu'un terrain obtenu gratuitement soit revendu à celui qui en a fait don. Ceci d'autant plus que l'ensemble du bâti et autres éléments installés sur les terrains ne seront pas réutilisés par le pays. Et cela d'autant plus pour ce qui concerne, pour ce qui est du terrain assis à Outroa, considérant les termes de l'arrêté numéro 361-CM du 18 avril 1988, selon lequel le pays devait, je cite, « en cas de modification des besoins de l'État ou du territoire, ou de changement de destination des lieux, recouvrir, c'est le terme utilisé dans l'arrêté, recouvrir de plein droit et sans indemnité la jouissance de la parcelle affectée. Par ailleurs, les acquisitions étant faites dans le cadre du contrat de projet, acte de solidarité nationale s'il en est, il aurait été équitable et juste que l'État les rende à titre gracieux au pays. Certes,
D'autres terrains ont été achetés par l'État depuis longtemps et dans le cadre d'une opération de revente classique, il ne saurait être contesté sa volonté de le revendre à bon prix. Pour autant, les opérations devant être réalisées sur ces terrains relèvent de la solidarité de l'État et du pays envers la population polynésienne et notamment celle qui est le plus dans le besoin. De ce fait, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française souhaitent sensibiliser l'État à cette question et l'invitent à ne pas chercher de quelconque plus-value immobilière lorsqu'il s'agit du logement et de la santé des Polynésiens parmi les plus démunis. Les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française souhaitent que les terrains, objets des trois arrêtés en cause, soient transférés par l'État à la Polynésie française à titre gracieux, à tout le moins pour une somme symbolique. Enfin, de façon plus générale, pour permettre au pays de réaliser ses politiques publiques et compte tenu de la rareté du foncier disponible, l'État est invité à reconnaître la Polynésie française et les communes de Polynésie française en qualité de partenaires privilégiés pour toute aliénation de son domaine. Il serait dès lors plus juste et équitable de la part de l'État de procéder ainsi pour tout terrain acquis à titre gracieux, et ceci encore plus pour des projets destinés au développement économique, social et culturel de la Polynésie française. Tel est l'objet de la proposition de résolution ci-jointe que j'ai l'honneur au nom des co-signataires et des membres de la Commission de soumettre à l'approbation de notre Assemblée. Merci. Il va sans dire que de la décision que nous avons prise d'inscrire cette résolution ce matin à notre sanction, nous nous exonérons du délai de 4 jours éventuellement prévu. Nous sommes dans un cadre un peu particulier. Ce débat nous a été amené par la commission de contrôle, par 12 voire 13 signataires suite à la discussion à l'intérieur de la commission de contrôle budgétaire et financier. Nous avons été obligés de saisir ensuite pour la résolution une commission intérieure législative et nous nous exonérons donc ce matin par l'adoption de ce document, par le débat et l'adoption de ce document, des délais de 4 jours qui devraient être requis. Cela se fait avec votre accord unanime, bien évidemment. Je vous remercie. La conférence des présidents n'a pas déterminé de temps de parole, mais je suppose que les uns et les autres des groupes veulent s'exprimer sur le sujet. Je commencerai par le groupe UDSP. Est-ce que vous avez un représentant, M. Tony Géros? Vous avez la parole. N'abusez pas de votre temps de parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs Yorana, je serai bref, puisque tout a été dit en commission. Et donc, véritablement, ce que nous souhaitons, c'est que l'État reconsidère sa position dans le cadre de l'aliénation de son foncier, notamment lorsqu'il s'agit de considérer les politiques publiques que mène par ailleurs notre collectivité à nous, je veux parler du pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous rejoints sur une rédaction commune, celle qui vous est présentée dans le cadre de cette résolution. Merci, merci, Monsieur le représentant. Le groupe Temana Otumomutu, si vous souhaitez vous exprimer, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, bonjour à tous. Nous sommes tous d'accord sur ce projet de résolution et donc nous attendons que l'État puisse en tenir compte. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la représentante. Le groupe Totato Aya, vous avez la parole, Monsieur Bouchou. Merci, Monsieur le Président. Je me suis exprimé tout à l'heure dans l'exposé des motifs. Je n'ai pas plus à dire. Merci. Merci, messieurs. Je vous propose de passer de suite à la résolution et je vous demande, Monsieur Bouchou, de lire votre projet de résolution. Merci. Résolution sollicitant la cession à titre gracieux ou pour une somme symbolique des terrains appartenant à l'État. Notre Assemblée, dans cette séance-ci, adopte la résolution dont la teneur suit. Considérant le fait que certains terrains appartenant aujourd'hui à l'État ont été acquis à titre gracieux de la Polynésie française. Considérant que les terrains devant être acquis par la Polynésie française sont destinés à des opérations s'inscrivant dans le cadre de la solidarité nationale, notamment par la mise en œuvre du contrat de projet. Considérons que l'État s'est engagé avec le pays pour permettre le développement économique, social et culturel
de la Polynésie française, considérant enfin et surtout que l'accès au foncier pénalise lourdement la mise en œuvre des politiques publiques en Polynésie française. Les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française invitent solennellement l'État à rendre gratuitement les terrains acquis à titre gracieux à la Polynésie française, à céder pour des sommes symboliques les autres terrains ayant fait auparavant l'objet d'une acquisition à titre onéreux. Par ailleurs, ils interpellent l'État et requièrent que la Polynésie française soit prioritairement informée et soit considérée comme acquéreur privilégié pour toute aliénation du domaine de l'État permettant la mise en place de programmes de développement économique, social et culturel. Ils souhaitent que cette règle, dont la mise en œuvre sera réalisée au travers d'une convention spécifique à chaque opération, soit applicable aux communes de la Polynésie française dans le cadre de leur participation aux politiques publiques. Enfin, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française souhaitent que l'État prenne tout son rôle et toute sa responsabilité dans le cadre de ces opérations, et plus particulièrement lorsqu'il en va d'aider les Polynésiens les plus démunis ou qu'il s'agisse d'apporter au pays une contribution à son développement. La présente résolution sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française et aux parlementaires de la Polynésie française. Je vous remercie, Monsieur Bouissou. La discussion est ouverte. Avez-vous d'autres commentaires à faire sur cette proposition de délibération? Monsieur Hiro Tefarere, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, dans la résolution qui nous est présentée, on ne fait allusion qu'aux terrains appartenant aujourd'hui à l'État qui ont été acquis à titre gracieux de la Polynésie française. Et uniquement à ces terrains-là. Est-ce qu'on ne peut pas généraliser dans le considérant tous les autres terrains? Merci, Monsieur le représentant. Sauf à me tromper, juste la phrase qui suit répond à votre question. À céder pour des sommes symboliques les autres terrains ayant fait auparavant l'objet d'une acquisition à titre onéreux. Ça répond, me semble-t-il, à votre question. Juste après la partie des terrains qui auraient été acquis à titre gracieux, me semble-t-il. Vous avez la parole. Ça répond en partie, mais pas tout à fait. Et quelqu'un veut-il prendre la parole? Monsieur Bouissou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La proposition de résolution concerne à la fois les terrains acquis à titre gracieux par l'État auprès du pays et les terrains acquis à titre onéreux par l'État auprès de tiers. Et ces terrains, d'un instant où nous avons des projets d'utilité publique, et c'est pour ça qu'on parle de développement économique, social et culturel, on parle donc de l'exercice de nos compétences, alors nous demandons à l'État que ces terrains soient cédés pour une somme symbolique. Vous avez la parole. Oui, j'ai bien compris ça, mais il n'y a pas que ça, que domaine de l'État. Dans les domaines de l'État, il y a bien sûr les domaines acquis, cédés à titre gracieux par le pays, mais à tous ceux qui ont été acquis durant cette période sombre de l'histoire de la Polynésie, durant la colonisation, quid de tous ces terrains qui représentent des domaines qui sont à l'intérieur de ce pays? Quid de tous ces terrains? Donc on oublie notre histoire, c'est pas la peine d'afficher tous les panneaux là-dehors là, pour se faire plaisir. Et l'État a mis en place son domaine à travers le non-respect des traités historiques de 1842 et de 1880.
Donc, quid de tous ces terrains? Or, c'est vrai que c'est bien ce que nous faisons. Il y a autre chose, en valeur absolue, qui pèse plus lourd dans l'assiette que ce que nous étudions. Je vous comprends bien, monsieur le représentant. En d'autres mots, vous demandez au commissaire de restituer les lieux où il habite à l'heure actuelle. Hein. Aussi, hein, pour la Polynésie. Monsieur Tony Géros, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. C'est vrai que le débat ou l'éthique qui doit nous animer aurait dû nous obliger à porter le débat sur le terrain qui vient de nous être présenté par notre collègue de l'Assemblée. Mais je pense qu'il est important pour nous, dans le cadre de ce document, aussi restrictif qu'il soit dans l'analyse des uns et des autres, qu'on puisse quand même unanimement prendre une décision collective pour tout de suite invectiver l'État sur le positionnement du pays par rapport au foncier. Mais c'est vrai que le débat que vient d'évoquer M. Hirote Farere ne peut pas être évacué maintenant et ne peut pas se suffire uniquement à positionner le pays par rapport à la simple résolution que nous allons voter ce matin. Mais M. Gégaud doit arriver et je pense que l'adoption unanime de cette résolution peut permettre aux autorités du pays qui vont rencontrer donc cette autorité de l'État de pouvoir tout de suite embrayer sur le dossier concernant l'aliénation du domaine de l'État, soit à la collectivité d'outre-mer, donc à la Polynésie ou bien soit au tiers, pour privilégier du moins le point de vue des membres de l'Assemblée que nous représentons. Donc essayer de dire à l'État qu'il y a un problème au niveau de l'aliénation de son domaine foncier. Nous avons des projets d'intérêt public, nous avons des politiques publiques à mettre en œuvre, nous ne disposons pas assez de fonciers, donc est-ce qu'on ne pourrait pas, sur la base de cette réflexion, obtenir de l'État la rétrocession gracieuse de ce domaine? Donc ensuite, effectivement, il faudra poursuivre la discussion sur un terrain beaucoup plus qui touche à l'histoire et qui touche... pour ne pas occulter l'expression consacrée au fait colonial, et puis là embrayer sur des discussions qui vont nous amener à cette période qualifiée de sombre, et essayer, on ne va pas dire de solder nos comptes, mais essayer de trouver un consensus ou un modus vivendi pour essayer de permettre au pays de retrouver ses billes, de retomber sur ses pieds. Je vais nous suggérer d'inscrire cette réflexion dans les accords de Tétinoui à venir, me semble-t-il, si vous en étiez d'accord. Mais pour l'instant, je vous propose de vous prononcer. Monsieur Buissou, vous avez la parole. Je vois ce que le représentant Hirohiti Farere essaye de nous communiquer. Nous pourrions introduire un autre considérant, si vous en êtes d'accord, tout en faisant en sorte évidemment que tout le monde puisse voter ce considérant. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas aller jusqu'à un point ultime sur un plan idéologique. Je viens de rédiger rapidement un considérant, je vais vous le lire ensuite en débat, soit on le retient, soit on ne le retient pas. Lisez-le. Nous pourrions introduire un deuxième considérant après le premier considérant sur le fait que certains terrains appartenant aujourd'hui à l'État ont été acquis à titre gracieux de la Polynésie française. Il y aurait le considérant suivant, considérant que d'autres terrains, aujourd'hui propriété de l'État, ont été acquis d'une manière ou d'une autre auprès de tiers. Vous voyez ? Voilà, c'est une manière plus... adéquates et diplomatiques, où on pourrait dire acquis dans le temps, ouais. Plutôt que de dire d'une manière ou d'une autre, parce que le haut commissaire pourrait nous dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire d'une manière ou d'une autre, ouais. On aura peut-être des difficultés à répondre à cette question, parce qu'il faudrait regarder cas par cas, mais a été acquis dans le temps. On ne dit pas trop comment. Tout ça, c'est consigné ou alors c'est hors PV, monsieur le président? Non, c'est consigné. Ah. C'est un peu jésuite, comme attitude. Bon, j'assume.
Bien, écoutez, donc je verse ça au débat et puis on regarde ce qu'on peut faire. Merci, monsieur Vito Mamatua Tiawero. Marou m'a été prétendu, tato pour Yorana. Non, mais où tu es prêt à ta tête ou à ta papane? Et tu es au Nitraman au Hiro, mais tu peux être à ta papatato? Ah, et pour tes mains. Mais tu peux être à ta tête ou à ta tête, et à nid ou il faut y aller tout à Mara, Taratu et Ya. Et non, là où est Fauno Patato. Tout mon nom, tout mon nom, mais il faut voir autre propre hier à ta tête ou à ta tête. Et ça tout le monde le sait. Et mais vous voyez, d'autres commentaires, d'autres. Est-ce que nous pouvons. Est-ce que cette rédaction vous convient, monsieur Tefarelli? Est-ce que ce nouveau considérant vous convient? Tel que lu par M. Guissot. Vous avez la parole. On peut trouver une rédaction meilleure que celle-là. Mais je suis content déjà que vous ayez tous pris la dimension de ce problème. Le fait de s'entendre sur une première résolution, comme l'a si bien expliqué et M. Buissou, l'ont si bien expliqué M. Buissou et M. Géros, est pour l'instant suffisant. Mais par rapport à toutes ces familles qui ont été spoliées par l'histoire, c'est par rapport à elles qu'il faut qu'on se positionne également. Moi, je nous propose qu'on puisse demain revenir sur une résolution là-dessus. Oui. Je vais vous faire une autre proposition, M. Tefarelli. Parce qu'on ne peut pas occulter, M. le Président. Je vais vous faire une autre proposition. Tout le volet historique et politique que j'ai rappelé la semaine dernière. On ne peut pas. Il y a dans cette dimension des domaines qui relèvent de la compétence pure de l'État. Il y a d'autres qui relèvent de notre compétence. C'est clair. On peut aujourd'hui se contenter de ce que l'on nous propose. Et moi, ça ne me dérange pas de prendre en compte la proposition qui vient d'être faite par M. Buissou, étant entendu que dans l'esprit, on sait de quoi nous parlons, les uns et les autres. Donc, avec cela, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que notre Assemblée puisse réellement, le moment opportun, prendre la décision qui s'impose. Alors, est-ce dans le cadre d'un débat politique avec l'État dans un autre contexte? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, nous sommes là, si nous allons jusqu'au bout de notre mandat, jusqu'en 2013, et c'est de notre compétence, le statut nous permet de prendre des résolutions. Et voilà pourquoi j'ai fait cette remarque, parce que je souhaite réellement qu'ensemble nous puissions faire comprendre à l'État, parce qu'il ne faut pas rêver, Monsieur le Président. L'État n'acceptera ce débat que lorsque nous serons nous en position de force pour lui rappeler ses manquements dans ce domaine-là. Une fenêtre s'est ouverte à nous. Maintenant, voilà pourquoi je tenais à insister là-dessus. Voilà les seules remarques que je souhaitais vous faire pour vous dire l'état d'esprit dans lequel je me situe. Merci, Monsieur le Président. J'avais prévu, à l'issue du vote de cette proposition de résolution, de suspendre notre séance pour tenir ensuite une réunion du bureau de l'Assemblée qui était programmée et reprendre notre séance à 14 heures par le débat sur l'avis sur la loi pénitentiaire et ensuite tous les points concernant Mme Merceron. Nous pourrions, si M. Buissou et Mme Eleanor Paquer étaient d'accord, suspendre notre séance avant de voter cette résolution maintenant pour affiner ce considérant. J'ai peur que l'on se prononce sur un considérant qui soit un peu rédigé à la va-vite, pardonnez-moi M. Buissou, mais que l'on puisse véritablement rédiger un considérant qui cale à la réflexion unanime de l'ensemble des représentants. Et dans ce cas-là, nous reviendrions
en début de séance à 13h30, par exemple, puisque j'ai demandé à Mme Merceron de venir à 14h, à 13h30 pour ce qui nous concerne, sur ce sujet et voter cette proposition de résolution, si vous en étiez d'accord. Est-ce que vous en êtes d'accord? Pour ceux qui sont tous d'accord. À l'unanimité, je vous remercie, la séance est suspendue, elle reprendra à 13h30 avec cette proposition de résolution. Nous avons prévu à manger. J'invite les membres du bureau à se retrouver dans la salle des commissions pour notre travail. Merci, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Nous nous étions quittés sur la possibilité d'ajouter un considérant à la proposition de résolution et il se trouve que ce considérant pose problème et je vous ferai la proposition de surseoir à la rédaction de ce considérant pour en débattre plus à fond dans un autre temps et je vous propose de vous prononcer simplement sur le document qui nous est proposé et qui avait le mérite de retenir l'adhésion de l'ensemble des représentants. Si vous en étiez d'accord, la proposition de résolution telle qu'elle nous a été proposée, sans modification. Avec votre accord, je vous proposerai qu'on en débatte ensuite sur le sujet qui nous a été exposé par l'un d'entre vous. Monsieur Buissou, vous avez la parole. Marche pas. Si, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes, en ce qui nous concerne, d'accord sur cette proposition. Je crois que l'intervention de Hilo Tarere met en exergue une problématique qui est beaucoup plus large et qui ferait certainement l'objet d'un bon débat intéressant. Je voulais vous dire surtout que, s'il était possible, de faire en sorte de suspendre 5 minutes pour que nous ayons le maximum de représentants avec nous pour voter sur cette proposition de résolution. J'ai peur, en regardant le nombre que nous avons de part et d'autre, que nous n'atteignions pas le nombre de 57, à mon avis. Oui, à condition que nous restions dans la salle. À condition que nous restions dans la salle. Et chacun reste assis parce que je vais vous perdre après. La séance est suspendue et vous restez assis. Merci. Nous sommes séquestrés, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, par courtoisie vis-à-vis du ministre qui est là à l'heure, je vous propose de reprendre notre séance après cette suspension. Et le président du groupe de Totato a disparu. On n'arrivera donc jamais à commencer à l'heure. Je vous propose d'attendre M. Buissou avant de commencer, éviter de perdre du temps. M. Buissou. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne sais pas qui a fait cette citation, mais je l'ai apprise quand j'étais en CM2. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous étions convenus du fait que nous allions suspendre la séance jusqu'à présent pour permettre une nouvelle rédaction de ce considérant. Ce qu'on vous propose, et je le dis après quelques concertations avec le groupe UDSP, et dans l'attente de l'arrivée de Hilo Tarere, c'est que nous puissions considérer ce qui a été dit tout à l'heure par le représentant Tarere dans un autre contexte. Ce qu'il a évoqué est un sujet éminemment, bien sûr, important, intéressant même, mais qui va au-delà du cadre du sujet qui nous préoccupe,
en ce qui concerne les cessions de la part de l'État de ces domaines, en l'occurrence sur les trois projets en question et sur tout autre projet qui viendrait à s'offrir à nous et, comme disait M. Giraud ce matin, et qui pourrait être utile à notre collectivité ou à nos collectivités, si on considère aussi les communes, pour les besoins d'opérations d'intérêt public. Alors, si vous en êtes d'accord, et ce qu'on propose là, c'est que nous ayons vraiment une position unanime sur le dossier. Je crois que la force de notre position sur cette résolution, c'est que l'on soit vraiment tous ensemble, tout en disant à Hirot Fardere que nous sommes ouverts pour un débat. Parce que ce débat va beaucoup plus loin que la simple considération, j'irais, du retour de ces terres. Surtout lorsque ces terres, par exemple, appartiennent à autrui. Ce qui veut donc dire que se pose la question, y compris de l'administration et du pays, à pouvoir regarder de près comment on s'organise dans ces cas de figure. Vous voyez, comme quoi nous sommes à une goutte d'eau d'une problématique globale qui nécessite un débat de fond qui serait utile, mais qui, englobé à l'intérieur de cette proposition de résolution, finalement, n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà pourquoi nous proposons, au niveau de Tota Toraya, de laisser de côté cela, tout en tenant compte, bien entendu, de ce qui a été dit. Cela est consigné maintenant dans le PV, et ça nous permettra aussi d'avancer sur les dossiers à l'ordre du jour. Merci. Merci, M. Bouissou. Est-ce qu'au niveau du groupe UDSP, vous partagez le même point de vue? Merci, M. Hirot et Farrelly. Est-ce qu'on peut imaginer une unanimité sur cette proposition de résolution? Je la soumets au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de prendre le prochain rapport, le 70-2008, relatif président, à la... Monsieur le Président. Oui, Monsieur Tevarofis, vous avez la parole. Si, Monsieur le Président, en explication de vote. Monsieur le Président, je voudrais partager avec vous et mes collègues l'importance du vote que nous venons de faire tous ensemble, en rappelant qu'il s'agissait d'un projet porté par le gouvernement d'acquisition de foncier qui a été transmis pour avis à notre commission de contrôle budgétaire et financier. 12 représentants se sont accordés pour que nous ayons un débat au sein de l'Assemblée. Il s'agit d'une unanimité au sein de notre Assemblée pour refuser le projet qui était d'acheter ces terres à l'État, compte tenu de toutes les raisons que nous avons pu évoquer lors du débat qui s'est tenu dans nos murs. Monsieur le Président, il s'agit d'un acte fort, mais je dois le dire pour ma part, pour notre part, aussi préoccupant. Car il s'agit quelque part, je trouve, d'une résolution exceptionnelle de ce que nous pouvons appeler le législatif chez nous, notre Assemblée, pour combler les carences de notre exécutif dans une négociation qui a été menée avec l'État. Car nous avons pu tous lire dans la presse qu'il s'agit d'une unanimité contre l'État. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est une unanimité contre le projet de transaction qui nous est proposé par le gouvernement de M. Gaston Tongson. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il était important de marquer ce moment par ce vote unanime que nous avons tous soutenu et partager avec vous cette petite réflexion, car je n'ai pas d'ailleurs entendu, Monsieur le Président, le gouvernement nous dire qu'il allait renoncer à cette transaction. Nous avons été saisis pour avis. Nous savons que ça n'est pas un avis conforme dans le cadre de la commission de contrôle. Nous avons eu un débat et nous avons une résolution. À aucun moment, le gouvernement ne nous a dit « je vais y renoncer », c'est-à-dire qu'il peut toujours continuer. Alors, Monsieur le Président, si on parle depuis quelque temps de nouvelle majorité, si ceci n'est pas mûr, en tout cas, nous constatons aujourd'hui qu'il y a 57 représentants dans l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci, merci, monsieur le représentant. Nous avons la chance d'avoir un membre du gouvernement aujourd'hui qui a donc participé à l'adoption de cette proposition de résolution. Et je serai peut-être, si vous me permettez, un peu moins dur avec le gouvernement en disant que, plutôt que de carence, je parlerai de manque de vigilance, me semble-t-il. Là, nous avons rappelé ce gouvernement à un peu plus de vigilance dans ce type de transaction. Et là, nous pourrions tous nous entendre sur ce thème. Je reviens donc à notre proposition de délibération et je demande à Madame Sylviane, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'autoriser à intervenir pour un tout petit peu réagir. Je voudrais simplement apporter quelques nuances quand même sur ce qui a été dit. C'est peut-être réellement la première fois que l'Assemblée exerce son pouvoir législatif. C'est vrai, et je voudrais attirer l'attention de notre représentant et néanmoins ami Teva Rofic, que ce n'est pas la première fois que le gouvernement procède à des acquisitions foncières au niveau de l'État. Donc il y a véritablement un changement de comportement et de prise de conscience en ce qui nous concerne, nous, et que nous transmettons au niveau du pouvoir exécutif, et notamment de nos ministres et notre ministre ici présente, qui est, je pense, totalement acquise à la cause, je dirais, de cette nouvelle philosophie de travail au niveau de notre Assemblée, pour dire qu'il faut que nous ayons maintenant une attitude ferme vis-à-vis de l'État sur toutes ces considérations de vente de terres. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, parce que pour l'instant on ne parle que des cessions de terrain appartenant à l'État, ayant été acquis ou donné à titre gracieux donc par le pays, mais il y a aussi le reste qui doit faire l'objet de discussions entre nous. Je pose une question très simple. Quid de l'avenir de Moruro à Efongatoko? Non? C'est pas une bonne question, ça? Parce que je me permets d'aller un peu plus loin des simples limites en termes de discussion, parce que on a l'impression qu'on va nous rendre Frangatofa et Moruro. Je crois qu'il y a véritablement une discussion franche et profonde à avoir avec l'État sur toutes ces questions-là. Et voilà pourquoi il ne s'agit pas d'une opposition au gouvernement, M. Théo Fritz, sinon simplement une interpellation du gouvernement sur notre attitude vis-à-vis de ces fonciers. Merci. Merci, M. Bouissou. Et nous vous remercions d'autant plus qu'après tant d'autres, vous posez ce problème important de Moruro et Fongatafa. Nous reprendrons la délibération de 64 et tous ces termes, et nous en parlerons entre nous. Monsieur Tefarere, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne peux que me réjouir de cette évolution. Et sur ce dossier foncier, comme sur d'autres, c'est nous qui devons faire preuve de beaucoup de vigilance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, de plus en plus, grâce à notre ouverture d'esprit en commission, on avance l'examen des dossiers pour arriver ici à des résolutions qui sont prises à l'unanimité. Mais je ne suis pas un rêveur. Parce que je n'oublie pas qu'en milieu d'année, nous avons pris une résolution unanime par rapport au dossier relatif à Moruro sur l'accession au dossier confidentiel des fonds et notamment des malades, la non-communicabilité. Et comment est-ce que notre avis unanime n'a pas été pris en compte? Donc nous allons être obligés de redoubler encore d'ardeur et de vigilance. Mais c'est bien parce que ce petit pas qu'on a fait aujourd'hui, en revenant d'une discussion avec
Mon avocat, je lui disais, maître, depuis 1945, depuis la première assemblée délibérante, pour la première fois notre assemblée va prendre une résolution à l'unanime sur le rôle joué par l'État, notamment au niveau foncier. C'est déjà un premier pas, et c'est pour ça que j'ai accepté donc de joindre ma voix à la vôtre, parce que je sais qu'il y en aura d'ici la fin de l'année d'autres débats, et qu'on arrivera le moment venu à une position unanime, non seulement de l'Assemblée, mais de ce que nous représentons. Parce que ce n'est que comme ça que l'on pourra réellement bâtir et construire l'avenir. Voilà, Monsieur le Président, mon mot de la fin sur ce dossier ô combien important. Merci. Et pour paraphraser une phrase célèbre, je dirais un petit pas pour l'Assemblée, un très grand pas pour nos relations avec l'État. Et la phrase de tout à l'heure, elle émanait de Lamartine. Hein? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est Lamartine. Merci. Je vous propose de passer au rapport 70-2008 relatif à un avis sur l'Assemblée de la Polynésie sur un projet de loi pénitentiaire. C'était normalement Sylviane Théroatea qui était... Madame Algon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana. Donc, en l'absence de Madame Théroatea, je prends sa place. Par lettre numéro 871 DRCL du 13 juin 2008, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi pénitentiaire. En liminaire, il convient de préciser que, bien que notre Assemblée disposait d'un mois pour rendre son avis, il est apparu néanmoins opportun à votre rapporteur de vous présenter ce dossier, qui est ainsi l'occasion d'ouvrir également une réflexion sur le secteur pénitentiaire en Polynésie française. Il est rappelé que notre Assemblée a pris le parti d'émettre un avis sur les projets de loi dont elle est saisie, tant que l'Assemblée nationale ou le Sénat ne s'est pas prononcé en première lecture sur ces projets. Les objectifs du projet de loi. Dans sa résolution du 17 décembre 1998 sur les conditions carcérales dans l'Union européenne, le Parlement européen a invité tous les États membres à élaborer une loi fondamentale sur les établissements pénitentiaires qui définissent un cadre réglementant à la fois le régime juridique, le droit de réclamation ainsi que les obligations des détenus et prévoit un organe de contrôle indépendant auxquels les détenus puissent s'adresser en cas de violation de leurs droits. Plus largement, les Nations Unies et le Conseil de l'Europe incitent les États à réviser leur législation pénitentiaire sur les conditions générales de détention, mais aussi sur le statut des détenus et des personnels pénitentiaires. De nombreux États disposent déjà d'une loi pénitentiaire, notamment l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Canada. Le projet de loi pénitentiaire présenté vise à doter la France de cette loi fondamentale sur le service public pénitentiaire. À l'heure actuelle, les normes françaises régissant les droits et obligations des personnes placées sous main de justice, les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont majoritairement issus de dispositions réglementaires, alors même qu'il appartient au législateur de définir les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de libertés publiques, article 34 de la Constitution de 1958. C'est pourquoi il est indispensable d'élever au niveau législatif des dispositions réglementaires emportant des restrictions aux droits fondamentaux nécessairement imposées aux détenus pour des raisons de sécurité publique et d'afficher clairement les règles éthiques qui encadrent l'action des personnels pénitentiaires. Les objectifs du projet de loi sont premièrement de clarifier les missions du service public pénitentiaire et les conditions de son exercice. C'est l'exécution des décisions de justice privatives ou restrictives de liberté, ainsi que la réinsertion des personnes placées sous main de justice, la prévention de la récidive et la sécurité publique. Deuxièmement, régir la condition juridique de la personne détenue
dans l'exercice de ses droits fondamentaux, tels que l'exercice des droits civiques, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la santé, le droit à l'information. Troisième objectif, améliorer la reconnaissance des personnels, notamment en élargissant la protection fonctionnelle aux concubins et aux pacsés, en créant un code de déontologie des personnels pénitentiaires et une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions ponctuelles de renforcement de la sécurité dans les services, établissements et bâtiments relevant du ministère de la Justice. Quatrième objectif, renforcer la sécurité juridique en élevant au niveau législatif les principes fondamentaux relatifs au régime de détention, notamment la nécessité de l'individualiser en fonction de la personnalité, de la dangerosité et des efforts d'insertion des détenus. Il s'agit aussi de circonscrire les pouvoirs de l'administration pénitentiaire en matière de mesures coercitives, discipline, fouille, usage de la force. Enfin, dernier objectif, prévenir la récidive des personnes placées sous main de justice en développant le recours aux alternatives à la détention provisoire avant toute condamnation, assignation à résidence avec surveillance électronique et aux aménagements de peine, semi-liberté avec ou sans surveillance électronique. Des observations. En préalable, il est fait observer qu'un projet de loi pénitentiaire numéro 495 a été déposé sur le bureau du Sénat le 28 juillet dernier, CF annexe jointe au présent rapport. Des objectifs tels que développés en première partie du présent rapport demeurent identiques, même si un réagencement et une réécriture de certaines dispositions du texte ont été entrepris. Le nouveau projet de loi pénitentiaire s'est voulu plus souple que la version qui nous a été soumise, et prévoit notamment de renvoyer à des textes réglementaires certaines dispositions. C'est le cas, par exemple, de la création au niveau de chaque établissement pénitentiaire d'un conseil d'évaluation qui aura vocation à évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et sera également, le cas échéant, une instance de proposition pour remédier aux difficultés engendrées par le surencombrement, et de la création au niveau national de l'Observatoire national de l'exécution des décisions pénales et de la récidive, qui sera chargé de collecter et d'évaluer toutes les données statistiques relatives à l'exécution des décisions de justice en matière pénale. Le projet de loi pénitentiaire dont nous avons été saisis ne soulève globalement pas d'objection particulière, dans la mesure où il intervient dans les domaines de compétences de l'État, tel qu'issu de l'article 14-2 de la loi organique statutaire garantie des libertés publiques, procédure pénale, droit pénal, justice. En outre, le projet de texte prévoit des mesures d'adaptation pour tenir compte de la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française, en excluant notamment les dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique ou encore aux garanties offertes aux réservistes de l'administration pénitentiaire en matière de droit du travail et de protection sociale. Cependant, l'attention des autorités de l'État est attirée sur le fait que subsistent encore, tant dans la version initiale du projet de loi que dans celle déposée au Sénat, des renvois à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française et relatives au Code de l'action sociale et de la famille ou au Code de la santé publique. Des adaptations seront donc à apporter à ce niveau. Au-delà de ces observations, un tel projet de loi pénitentiaire ne peut que nous amener, en notre qualité d'élus de la Polynésie française, à nous préoccuper de la situation des personnels pénitentiaires du pays. Il est rappelé que le service public pénitentiaire relève en Polynésie française de la compétence de l'État depuis la loi organique numéro 94-499 du 21 juin 1994, relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire. L'administration pénitentiaire est représentée en Polynésie française par 3 établissements et par un service d'insertion et de probation. Ces 3 établissements sont placés sous l'autorité de la Direction des établissements pénitentiaires de Polynésie française. Le centre de Nootania à Faa'a accueille en moyenne 390 détenus, toutes catégories pénales confondues,
pour une capacité théorique de 137 places. Il est composé d'un quartier maison d'arrêt hommes, d'un centre de détention hommes, d'une maison d'arrêt des femmes et d'un quartier jeunes adultes et mineurs. Le centre de détention à Outouroir et Atien dans les îles Solvang est d'une capacité théorique de 20 places, accueille en moyenne 16 détenus. Et le centre de détention à Nukuhiva dans l'archipel des Marquises, d'une capacité théorique de 5 places, accueille en moyenne 3 détenus. Dans le cadre de la résorption de cette surpopulation pénale alarmante, un centre de peines aménagées d'une capacité théorique de 32 places est en construction. Il accueillera des détenus bénéficiant d'un aménagement de peine, semi-liberté ou placement extérieur. La livraison des travaux est prévue le 23 décembre 2008 et l'ouverture vers la fin du premier trimestre 2009. L'administration pénitentiaire de Polynésie française regroupe une variété de métiers et de compétences. Des personnels administratifs, des personnels techniques, des personnels de direction, des personnels d'insertion et de probation et des personnels de surveillance, dont l'effectif réel au 1er mars 2008 est de 89 surveillants, 13 premiers surveillants et 4 officiers. La plupart de ces personnels pénitentiaires a bénéficié depuis le 1er janvier 1995, loi numéro 94-443 du 3 juin 1994 et décret numéro 95-583 du 6 mai 1995, d'une intégration dans la fonction publique de l'État suite au transfert de compétences en matière pénitentiaire. Or, depuis cette intégration en 1995, les personnels pénitentiaires de Polynésie française réclament une égalité de traitement avec leurs homologues métropolitains, domiens et néo-calédoniens, en particulier dans le cadre des réformes sociales. En effet, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas bénéficier automatiquement de tous les avantages sociaux consentis à leur profession, et notamment du bénéfice à la fois de l'article 24 de la loi numéro 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire qui concrétisent la mesure dite de la bonification du 1/5, laquelle améliore considérablement le régime de retraite des personnels de surveillance pénitentiaire, ainsi que de l'article 41 de la loi numéro 2007-148 du 2 février 2007 qui ouvre la possibilité au personnel de surveillance de partir à la retraite dès le lendemain de leur 50e anniversaire. Ces lois s'appliquent à l'heure actuelle uniquement aux agents métropolitains, domiens et néo-calédoniens, puisque les années de service des personnels pénitentiaires de Polynésie française antérieures à leur date d'intégration ne sont pas considérées comme des services actifs de l'État. Soucieuse d'une égalité de traitement de l'ensemble des personnels pénitentiaires de la République française, qui travaillent, faut-il le souligner, dans un milieu particulièrement difficile, votre rapporteur vous propose de profiter du présent projet de texte pour soutenir nos personnels œuvrant dans les structures pénitentiaires locales en demandant à l'État d'intégrer dans ce projet de loi un article à caractère social qui puisse permettre au personnel pénitentiaire polynésien une prise en compte de leurs années de service avant 1995. Cette disposition pourrait être rédigée de la façon suivante. J'ouvre les guillemets. Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève par les agents mentionnés à l'article 2 de la loi numéro 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'État sont considérés comme services actifs de l'État. Cette mesure sociale qui est demandée à l'État s'inscrit dans les objectifs même du projet de loi pénitentiaire, à savoir améliorer la reconnaissance des personnels pénitentiaires, a fortiori du personnel polynésien. Elle permettra de répondre aux légitimes attentes des personnels pénitentiaires polynésiens et d'atténuer ce sentiment d'être depuis de nombreuses années des fonctionnaires de l'État entièrement à part et non à part entière.
Cette mesure se justifie d'autant plus qu'elle a été prise lors de l'intégration des personnels pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie, loi 89-1006 du 31 décembre 89 et décret numéro 91-479 du 14 mai 91. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, d'émettre un avis favorable au projet de loi pénitentiaire présenté, lequel s'inscrit dans une politique d'ensemble de modernisation du système pénitentiaire français, étant notamment à reconnaître les droits fondamentaux des détenus, à placer la réinsertion des détenus au cœur de l'intervention du service public pénitentiaire et à améliorer la reconnaissance des personnels pénitentiaires. Et dans le même temps, de demander à l'État, au titre même de l'objectif d'amélioration de la reconnaissance des personnels pénitentiaires, d'intégrer dans ce projet de loi un article à caractère social visant à régulariser la situation des personnels pénitentiaires polynésiens susévoqués. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame. La conférence des présidents a prévu une discussion générale de 30 minutes avec 14 minutes pour l'UDSP, 12 minutes pour Totato Aya et 4 minutes pour Temanaoto Momutu. La discussion générale est ouverte. Le représentant de l'UDSP veut-il se prononcer? Est-ce que l'UDSP a un représentant sur ce sujet? Oui, Monsieur Géros, vous avez la parole. Monsieur le Président, non, nous n'avons pas désigné de représentant pour l'UDSP. Puis nous laissons donc la parole à ceux qui ont été porteurs de ce rapport. Vu que nous n'y avons jamais été, si ce n'est qu'en tant que visiteurs, mais certainement pas en tant que locataires. Donc on n'a pas de choses à émettre davantage. Merci. Merci, Monsieur le représentant. Est-ce qu'au niveau du groupe Totato Aya, vous avez une intervention? Monsieur Bouissou, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est Sandra Lévy qui interviendra pour vous. Merci. Madame Sandra Lévy Agamé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'interviens pour... alors, pas pour le groupe Totato Aya, finalement. J'interviens parce que je suis présidente de cette commission et que nous avons eu l'occasion de discuter sur cette loi pénitentiaire. Je tiens à remercier la position unanime des représentants de l'ensemble des groupes sur cette question, qui est préoccupante à deux titres. Premier chef, par rapport au positionnement des personnels pénitentiaires, qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté, puisque pour un certain nombre, cela fait plusieurs dizaines d'années, enfin, au moins deux décennies pour certains, qu'ils travaillent dans cet établissement et que malheureusement, du fait de l'intégration 95, leurs années antérieures n'ont pas été prises en compte pour leur avancement. Donc on se retrouve dans une situation qui est inéquitable et voire même injuste vis-à-vis de leurs homologues métropolitains, voire même domiens ou néo-calédoniens. Il faut savoir que je voudrais vraiment attirer votre attention sur cette situation. Je suis moi-même issue du ministère de la Justice, donc j'ai été affectée au centre pénitentiaire de Noutania. Je connais bien cet établissement. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelques chiffres. 390 détenus pour 137 places à PAA. 16 détenus à Autouroa pour 20 places, mais vous verriez comment ils sont logés là-bas. Pour la mairesse d'Autouroa, elle connaît bien le problème. 3 détenus à Taïorae pour 6 places théoriques. Donc, plus de 400 détenus pour 140 personnels au total. Sur ces 140 personnels, vous avez 90 surveillants. Et donc, si on doit compter et faire une moyenne entre les surveillants, les chefs surveillants, et les officiers qui encadrent ces détenus au centre pénitentiaire de FAA, ça nous ramène à une moyenne de 30 personnels par jour. Il faut savoir que c'est 24 heures sur 24, donc 3 fois 8 heures. Donc ça veut dire que vous avez 30 personnes qui encadrent 400 détenus. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Ces 30 personnes qui encadrent ces 400 détenus par jour,
elles ne sont pas reconnues au même titre que les autres fonctionnaires d'État en métropole. Donc vous voyez, une deuxième injustice. Il y a également, bien sûr, la structure. Donc dans le rapport, on vous a indiqué qu'il y a un centre d'aménagement pour peine qui se construit. Mais je souhaite que les représentants que nous sommes pensent à ces détenus également qui sont au centre pénitentiaire de Faa'a et prennent la peine d'aller visiter, pourquoi pas d'organiser un déplacement là-bas, pour que nous, de l'intérieur de l'Assemblée, nous fassions évoluer les choses. En donnant les mêmes droits à nos personnels pénitentiaires locaux, il faut savoir qu'on va permettre également à ces personnels de mieux travailler. Donc ça veut dire permettre de mieux encadrer la population carcérale et forcément les motiver à aller vers de l'insertion de ces personnes dans la société dès leur sortie. Donc, si je devais résumer notre positionnement au sein de notre commission des affaires civiles, c'était de dire il faut absolument voter l'unanimité par rapport à cette proposition d'amendement, mais également faire en sorte de ne pas oublier les détenus, même aller plus loin. Je crois que ça fait des années qu'on parle de ce sujet, que finalement, rien ne se passe, malheureusement. Aujourd'hui, on a eu un signe fort lors du précédent dossier sur une unanimité. Je pense qu'au-delà de l'unanimité que je requiers par rapport à la question de la loi pénitentiaire, je pense qu'il y aura, en tout cas au niveau de la commission, nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait une conséquence à ce positionnement. Moi, je compte personnellement sur les deux sénateurs et les deux députés pour qu'ils relaient le positionnement de l'Assemblée de la Polynésie française par rapport à cette question de la loi pénitentiaire et par rapport au cas particulier des personnels pénitentiaires. Et je crois qu'en collaborant ensemble, nous représentants à l'Assemblée, avec nos élus qui siègent au niveau national, nous pourrons efficacement travailler. Donc c'est dans ce sens que je vous demande de voter l'unanimité sur cette question, de confirmer le positionnement de chacun lors de notre dernière commission, et de vous demander, eh bien, à l'occasion d'une prochaine commission, de travailler également sur les conditions d'incarcération des détenus des centres pénitentiaires de Faa'a, d'Uturoa, du centre de détention d'Uturoa et du centre de détention de Taïora-E. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. Est-ce que le groupe Temano de Mobutu a un représentant? Oui, madame. Oui, monsieur Parker. Le président, madame Liliane Meiruto interviendra sur ce dossier. Vous avez la parole, madame. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, bonjour. Madame la ministre, mesdames et messieurs les représentants. Nous avons eu ce projet de loi étudié en commission. Madame Sandra Lévy-Agami a exactement résumé tout ce qui s'était dit. Je crois que le signe fort que nous pourrons faire aujourd'hui, c'est vraiment de voter à l'unanimité à ce projet de loi. Et que si nous pouvons par cela faire avancer les choses, parce qu'ils ont trop longtemps attendu, ce serait bien. Merci. Merci. Merci, madame. Y a-t-il d'autres commentaires sur cet avis? Non. Le gouvernement n'étant pas là pour éventuellement répondre aux questions. Ah, il suffit de solliciter le gouvernement pour qu'il soit présent. J'invite donc le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs s'il le souhaite, concernant la loi pénitentiaire. Sinon, nous passons à l'examen de l'avis. Bonjour, plutôt bon après-midi à chacun d'entre vous, en particulier donc à monsieur le président. Mais je voudrais vous dire que je ne vous entends pas bien. Je fais amende honorable. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Je vous propose, si vous le souhaitez, que nous examinions de suite l'avis, à moins que vous ayez un commentaire à faire sur ce que disent les orateurs. Non, absolument pas. Je pense qu'ils ont fait le tour du sujet. Si, je demande au rapporteur de lire l'avis que nous allons émettre. Vous avez la parole. Notre Assemblée émet l'avis suivant.
Nonobstant les adaptations à apporter aux dispositions du Code de l'action sociale et de la famille et du Code de la santé publique figurant dans le texte, le projet de loi pénitentiaire recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française puisqu'il s'inscrit dans une politique d'ensemble de modernisation du système pénitentiaire français et tend notamment à reconnaître les droits fondamentaux des détenus, à placer la réinsertion des détenus au cœur de l'intervention du service public pénitentiaire et à améliorer la reconnaissance des personnels pénitentiaires. Dans le même temps, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française demandent à l'État, au titre même de l'objectif d'amélioration de la reconnaissance des personnels pénitentiaires, d'intégrer dans ce projet de loi un article à caractère social visant à régulariser la situation des personnels pénitentiaires polynésiens. Cette disposition serait rédigée de la manière suivante. Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève par les agents mentionnés à l'article 2 de la loi numéro 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'État sont considérés comme services actifs de l'État. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie française. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte. Pas de commentaires particuliers. Pouvons-nous passer au vote ? Monsieur Tefarere, vous avez la parole. Si, deux interrogations, Monsieur le Président et Madame la Ministre. C'est par rapport au rajout que nous faisons sur les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève. En quid des non-titulaires ou de ceux qui étaient auparavant enfants et qui ont intégré? Parce qu'à ma connaissance, c'est eux qui posent problème également. Ça, c'est la première intervention. Et d'une manière plus générale, je suis d'accord sur le texte, Monsieur le Président, hein, ne vous y méprenez pas. 95-2008, ça fait 13 ans que la compétence a été passée à l'État. J'espère qu'on ne va pas attendre encore 13 ans ou 15 ans pour voir l'État trouver les fonds pour bâtir la nouvelle maison d'arrêt qui s'impose et régulariser définitivement la situation de ces gardiens. Bon. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Représentant. Madame Agami, vous avez la parole. Madame Lévy Agami, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, lors de notre commission qui s'est réunie à l'occasion de l'examen de cette loi pénitentiaire, nous avions invité le représentant du personnel, Monsieur Karl Manoudhey, qui nous a exposé la situation des personnels pénitentiaires, qui nous a fait part justement des cas également des personnels qui n'étaient pas intégrés. Qui n'ont pas été intégrés en 1995. Ceux-ci ont été intégrés en 2003 et les dispositions que nous allons prendre aujourd'hui vont permettre également à ces personnes de pouvoir bénéficier du rajout que nous demandons dans la loi. Puisque pour l'ensemble de ces personnes, ils étaient également employés avant 1995 et pour beaucoup avaient plus de 20 ans, enfin en tout cas plus de 15 ans d'ancienneté au sein de l'administration pénitentiaire territoriale à l'époque. Donc, bien évidemment, les personnes dont vous parlez vont pouvoir bénéficier de cette avancée sociale. Merci, Madame Lévy-Agami. Pouvons-nous passer au vote ? Pardonnez-moi. Vito, excusez-moi, vous avez la parole. Ti pro tatatu ti tum pro fof arhidu nana wo tu tatatu fere de erida fere rati te pro fof arhidu ai pro hia tu tatatu tu hini aru era te pro hia no tu tatatu nun a eo rega i tuto e tu tatatu nun a pai ora i tuto e ne pro e ti fare te veni tu tatatu mu fit i tuto e tatatu pouru e mi te tau e te tau o pro nona tatatu e i hamoite hia pai toro au tinu a parhini i tuto e
Et nous, on a dit que nous avons 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 dit e ele a me huru fifi ta pro de non atra no tatu non avo manofo aroti tu hi me sandra ya hamo hi ati thai tumiti na tatu yoni ya hara tatu e e mat e e hi u e tatu e fa fa ha turu tora tora la per tu tatu tu ti fare ta pea maru pertin. Merci, monsieur le représentant. Peut-être pouvons-nous laisser le soin à madame la présidente de la commission d'organiser éventuellement ce déplacement. Ce sera avec plaisir que nous irions. Mais j'aurais aimé également que peut-être un des représentants ou madame le ministre nous parle de l'état d'avancement de la construction, de l'extension de la prison, pour peut-être offrir des qualités un peu meilleures à nos prisonniers de Noutania. Madame Vernaudon, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour tout le monde. L'Assemblée est déjà représentée dans ce que l'on appelle aujourd'hui la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. Et jusqu'à présent, c'était Sabrina Burke qui était notre représentante. Et lors de la dernière modification, c'est moi qui ai été désignée comme représentante de l'Assemblée au sein de la commission de surveillance qui ne s'est pas réunie depuis. Néanmoins, je peux vous apporter quelques informations. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de terminer ce centre des peines aménagées qui va permettre, donc, avec le service d'insertion et de probation, d'améliorer l'insertion, le retour à l'emploi et à la vie sociale d'une partie des détenus qui arrivent en fin de détention. Ensuite, il y a effectivement une extension importante qui est prévue de se situer derrière l'actuel centre pénitentiaire et qui est prévue pour accueillir 150 détenus longue peine. Parce qu'effectivement, c'est une des caractéristiques de notre centre pénitentiaire de Noutania d'avoir plus qu'en métropole des longues peines. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de grande criminalité en Polynésie. Par contre, il y a trop d'affaires que l'on dit de mœurs, c'est-à-dire d'agressions sexuelles au sein de la famille. Et c'est personnes sont condamnées à de longues peines, de très longues peines, et effectivement, il faut absolument les sortir du centre actuel et de les mettre dans un centre adapté avec des possibilités réelles d'insertion, d'atelier, comme on le voit en métropole ou dans les DOM. Alors, les études techniques ont été faites. Mais la décision de construction n'a pas été prise parce qu'entre-temps, il a été évoqué la possibilité de construire ce centre de longue peine à Papeari sur un terrain dont dispose l'État. Mais la décision n'est pas de construire derrière Noutania n'a pas encore été remise en question. Donc, ils poursuivent les études techniques et il y a un comblement de ravins assez important à faire. Mais la construction elle-même n'a pas encore été, la décision de construction n'a pas été prise. Il y aurait beaucoup à faire pour améliorer la situation des détenus, bon, par cette extension, mais surtout par une amélioration aussi des relations avec les familles, et notamment ces détenus qui viennent des îles, des archipels,
et pour qui les visites de famille s'estompent pour souvent ne plus se réaliser du tout. Donc je veux bien, en tant que représentante de l'Assemblée au sein du de la commission de surveillance, organiser une réunion pour notamment les nouveaux élus qui n'auraient pas eu l'occasion encore de visiter nous, Tania, et à cette occasion de faire le point des différents aspects, des conditions de détention, mais également du statut du personnel qui se trouvera quand même sérieusement amélioré si effectivement nos propositions sont retenues. Et c'est un combat de nombreuses années de la part des représentants du personnel de Nouvelle-Tania. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous dire. Merci, Madame la représentante. D'autant que pour ce qui concerne 9AA, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait là aussi d'un terrain qui était donné par le pays à l'État. Encore un autre, qui va nous être revendu dans 30 ans, à des prix exorbitants. Merci. Monsieur Géros, vous avez la parole. Maruru m'était prétiténi. Aruhura tatuit man'a tithai et tithai. Et rtu tithai hi ora et tithai man'a et tura. I tei mana hop ea motira ya faini nihi te tei tomite rutu i tatu no tiare mataitei. Hea te tumu no te mea ere a tei nei so e tomite rutu i to tatu apurar hei i tiare a e fafa, hare a e hio, e hare a e faite to tatu mana o pea pea. I mua i te orar a fifi e orahi anei i tei e momau auri. E ere pai te i mana, tō e mana e whatuhi ara tātou. Te au a, whai tātou tō tātou mata, e tō tātou a au, mā te whahiro oro ai te tei mea, e te tātou nene he, e apapu e mua i tō rātou aro tā rātou e ti ei nei, i a whareri tātou i rātou. I a pahono hi a mai, i ara e pahono a au noa, i a raweroa hia, i te tapuro ohipa. E wa tawhiwhi tātou, i ni anō i te parau no te imirei te tei mahora, no te whaā rarhei tua, e te wahei e pārhei hi arai rātou. Tei e whiwhi, meit matheiti piti tau ti ni mha, tō tātou tutawa no ara, i a tatarai tau a whiwhi, e tairoa mai te i e mhana, e te rau e tatarai, e matarai. Te mea e pāpū, e ere tara tō e mana, e whatuhi ara tātou. Parau mau tō tātou mana o pēa pēa, nārtui tūro ar ai tō tātou mō manao, e mi te peu e tei o mai tei tātou i tei opuar a Teo Whrāni, te whaite rā Teo Whrāni rutu i te tei mō irawa, e hā pē rātou e pē matheiti tā ahipar ai te e tae tā rau te mō irawa, no te mea i te toa tō rātou rā ea, no te pahono rā i tātou tei e ture, te e tae tā rau tātou e ture, e whahepo nei rātou. Parano te orar a o te ie mō whea e maunei rutu i te auri. Ti aira e wainei rutu i rātou, ia whanau rātou, ho e pia nani e i te mau auri i tātai tei. Tēnā ora te iriti ture no te whenua wharani, e te pai nenhe, e whaari ohi e no, i te mahana e maiti i te ture, tarara, e omonomona o nā ho e irawa, tapahi e nāna no te praur ae, no tau atu ara horoa mai o whatiri i te o whatiri i ho whari mai o toia o whatiri i te ture pēmatheiti no whātai meira whaohi para i tau atureira i tuati ei te i mō whānaora e whaahepur aat mō whānaora i te hia nei i rutu i mō whenua e taati hia e tuia Europa te tomu ia no te e ture e ere no te mea e i te i e mhana o whiruri Teo Whrāni. Ho e whanaur a, ia maitai tua i te orar a o te mau auri. E re roatu, whiroto fōmo o te e ture, te whahepo nei whanaur a to Europa, ia tua tit mo ture a to at mo whenua, e taati nei rito ia Europa. I imie i Teo Whrāni trawe, ia tua tit tōna hio ture, te e ture tāna e tumai nei, i moai tō tātou nei mata. E te whaite ra o ia i roto, rito i te teimo i rawa, i te roa i anai te amo. No te iti o mohi a tānai whiruri,
nous pas par aïté mon parépora. Dorina, maintenant on te dit, mais tu peux faire ta touille à mehurupe à pair. Mehurupe à pair, nous te mets à aure manae vaine de ta tourima, nous te proud aïté mon auri. Rutuite piti hepetomai murinai, aura rutuite avae fatatamai nei, teye tamato mo fano a efirurinei noto, et tamato ya, rutuitamato mo matutura, et amana, yanen het auto e fano. Tradmana obretiteni, maruru. Merci. On pourrait imaginer une participation des représentants de l'État à ce déplacement, combien même il s'agit d'une compétence de l'État. J'ai le souvenir qu'à l'époque où il s'agissait de transférer une partie de cette terre à l'État pour y construire une extension, l'État avait émis le désir de construire quelque chose proche du palais de justice, parce que des propositions avaient été faites de terrain vers la presqu'île. Et la réponse de l'État avait été de dire « on est obligé d'avoir quelque chose proche du palais de justice pour éviter éventuellement une déperdition de prisonniers entre la prison et le palais de justice. » C'était l'argument avancé. Quand bien même le terrain proposé en extension à FAA était un terrain difficile d'accès dont il fallait faire de grands travaux, sur lesquels il fallait faire de grands travaux. Mais je retiens votre réflexion, monsieur le représentant, mais cela ne doit pas nous empêcher de constater par nous-mêmes, éventuellement de nous faire accompagner par des représentants de l'État, et de suivre, puisque j'ai senti une nouvelle sensibilité à l'intérieur de l'Assemblée, pour ne pas lâcher tous ces sujets qui concernent nos relations avec l'État. Nous nous sentons de plus en plus proches pour trouver une solution. Madame Sandra Lévy Agami, vous avez la parole. Maruru Pretitini. Ina aroho e ha maruru o Vitora wao Antoni, o tarato mamon o. E me amete te pro te ina aroho e ha maruru vito no tona pro o te whaatupuhu e tomite, no te ie mo fifi roto i te whare tapiar a. E nenei wao e hare i roto i te ie vahi, no te mea e Mais hey, t'es fifi roto et t'es faré taper à, t'es fifi au t'es monta à ta et t'es ravi au hipar à toi et roto et t'es faré taper à. Mais hey, t'es fifi au t'es mau toi faré, non t'es mia, mais hey, t'es ta à ta et roto et aïtar à toi et naaro et faya mitra. Je voudrais remercier Vito et Anthony pour leurs paroles, parce qu'en fait, je crois que ça fait très longtemps que les gens parlent. Il y a eu beaucoup de représentants qui ont mis le doigt sur ce problème. Il y a eu beaucoup de députés qui se sont succédés, de sénateurs également, qui ont rencontré et les associations de famille et les personnels, les représentants des personnels. Et finalement, rien n'a bougé. Donc je pense que l'idée de Béatrice de travailler de l'intérieur par le biais de ce comité de surveillance est une bonne chose, mais étayée par la mise en place d'un comité également mené par des représentants de l'Assemblée, je pense que ça permettra de dire à nos interlocuteurs de l'État que nous sommes vigilants, et quelque part d'apporter un message fort à la population carcérale et également au personnel qui travaille là-bas. Malheureusement, ils ont souvent l'impression, que ce soit pour les personnels et pour les personnes qui sont incarcérées sur place, d'être oubliés. Et finalement, on se rappelle qu'ils sont là aux périodes électorales parce qu'il faut faire les procurations pour qu'ils aillent voter. Et le reste du temps, eh bien, ils sont oubliés. Alors, on n'est pas là pour remettre en question les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés, comme l'a dit tantôt Anthony, bien évidemment. Mais si on peut faire avancer ce type de dossier, je crois que, comme on l'a dit précédemment, en parlant de notre rôle de représentant à l'Assemblée et du fait que, eh bien, nous étions, enfin, finalement, on a ce pouvoir
de ne pas forcément être d'accord avec le gouvernement, puisqu'on est dans le législatif et qu'eux sont dans l'exécutif, eh bien, on peut également utiliser ce pouvoir qu'on n'a pas utilisé suffisamment jusqu'à présent, de représentants à l'Assemblée qui va également essayer de faire bouger les choses pour que, au niveau du centre pénitentiaire, en tout cas dans ce cas particulier, on puisse améliorer le quotidien et des gens qui y travaillent et des personnes qui y sont incarcérées. Moi, je serais favorable à ce qu'un comité se monte, pas forcément dans le cadre de la commission des affaires civiles, mais que ce soit vraiment l'ensemble des représentants. Je veux bien être à l'initiative, je retiens ta proposition, Vito. Donc après, je souhaite que tu sois disponible pour qu'on travaille sur cette proposition, avec Béatrice également, pour qu'on propose quelque chose les jours prochains à nos représentants à l'Assemblée pour pouvoir déjà dans un premier temps, en effet, faire un état des lieux en allant visiter et dans un deuxième temps, serrer les difficultés et pouvoir y apporter des solutions concrètes pour faire avancer ce type de dossier. Merci. Merci, madame. Quelquefois, nous n'avons pas de chance puisque, si je me souviens bien, la dernière fois que nous avons eu la visite d'un représentant du gouvernement en charge des prisons, il a été incarcéré en rentrant en France, hein, donc on a perdu un interlocuteur. Monsieur Bouissot, vous avez la parole. Vous avez raison de le rappeler, monsieur le Président, puisque c'est vrai que le secrétaire d'État le plus actif, malheureusement, a dû suspendre sa mission de reconstruction ou d'extension de ce centre de Montagna. C'est M. Bédier, je crois, à cette époque-là. Et c'est vrai, vous avez raison de rappeler également que le pays avait mis à disposition, même fait procéder à un transfert à titre gracieux d'une parcelle de terre de plus de 5 hectares sur le domaine dit Bonnefin, sur le versant intéressant la vallée où se trouve donc le centre pénitentiaire de Noutania. Et nous n'avons pas plus d'informations à l'heure actuelle de la part de l'État sur l'avancement de ce dossier. L'idée de faire procéder à une déconcentration de cette prison vers le domaine Suzanne de Faone, domaine de 500 hectares ayant fait l'objet d'un échange entre le pays et l'État, notamment dans le cadre des échanges fonciers nécessaires à la construction de la présidence, était motivée par l'idée de permettre aux personnes incarcérées pour des peines de longue durée de pouvoir se retrouver dans un milieu beaucoup plus favorable que sur Faa'a, où il n'y a pas énormément de terrain pour faire de la réinsertion, notamment professionnelle. Voilà pourquoi cette idée avait émergé à un moment donné, et que l'État, malheureusement, n'a pas suivi cette idée. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Sur la visite à Montagna, je nuancerai un tout petit peu les propos de tout à l'heure en disant que si les représentants dans leur ensemble se rendaient à Montagna pour montrer et pour marquer surtout notre souhait que l'État assume pleinement ses responsabilités dans ce domaine-là, ce sera quelque chose qui sera bien reçu à la fois par notre population, mais aussi par ces personnes qui sont incarcérées. Je le vois uniquement sur cet aspect-là, parce que pour l'instant, ça a toujours été des visites un peu individualisées, tandis que là, ça peut être, sur le plan symbolique, un élément fort du positionnement de l'Assemblée, en invitant bien sûr l'État à nous accompagner, et puis en demandant à l'État de nous rendre compte aussi de l'avancée de ce dossier de construction ou d'extension, quel que soit le projet en question, pour qu'on sache dans le temps quelles sont les échéances pour que définitivement on règle le problème de ces personnes. Voilà, merci. Merci, Monsieur Bouissot, et sans que cela apparaisse comme de l'acharnement contre l'État, bien évidemment. Ça se présentera comme quelque chose de constructif.
et nous comptons sur mesdames, messieurs de l'Assemblée pour monter quelque chose et pour que nous puissions organiser cela. Je reviens à notre avis, je le soumets à votre critique, à votre sanction, qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie, l'avis est donc adopté. Je vous propose de passer au prochain rapport, qui est le rapport numéro 32-2008, et qui est relatif à 4 projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'Office polynésien de l'habitat pour les exercices 2003 à 2006, et je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Madame la ministre, vous avez la parole. Eh bien, je dirais tout simplement que je ne suis pas évidemment responsable du fait que vous ayez à examiner en une seule fois plusieurs comptes financiers de l'OPH. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait que l'Assemblée n'a pas été destinataire de ces comptes. Donc, vous venez aujourd'hui réparer un oubli. Et vous verrez que dans très peu de temps, vous aurez également les comptes de 2007 qui sont prêts, qui doivent être dans les tuyaux. Ensuite, je voudrais dire que je me tiens bien entendu à votre disposition avec donc mes collaborateurs et la direction de l'OPH pour répondre à vos questions, sachant que, ayant lu le rapport de la commission qui a étudié en juin ces comptes, j'ai vu que vous ne vous étiez pas intéressé aux chiffres, mais que véritablement, vous aviez beaucoup parlé plus généralement de la problématique du logement. Donc, j'ai essayé de me préparer à cet après-midi. Voilà. Merci. Merci, Madame le ministre. Je demande au rapporteur, Monsieur Marcelin Lisson, si vous, à la place de Madame Théroatea, et vous pouvez nous lire ce rapport. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana. Par lettre numéro 293 à 296 PR du 18 décembre 2007, le Président de la Polynésie française a fait parvenir, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, 4 projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'Office polynésien de l'habitat pour les exercices 2003 à 2006. Rappel sommaire des missions et des moyens. Les missions. Créées en 1979 par la délibération numéro 79-22 du 1er février 1979, l'Office polynésien de l'habitat, l'OPH, s'est vu doté par la délibération numéro 2001-102 APF du 9 août 2001 des missions destinées à mettre en application la politique de l'habitat social en Polynésie française. À cet effet, l'OPH est pourvu de compétences et de moyens étendus afin de réaliser ses principaux objectifs qui sont d'aider les ménages à se loger décemment et de favoriser la décohabitation et la résorption de l'habitat insalubre. Les statuts de l'Office ont été étendus en décembre 2005 afin de permettre notamment la réalisation d'opérations de construction de logements ayant recours à des schémas de financement intégrant les dispositifs de défiscalisation. Le développement de son parc de logements autrement que par la construction. Aussi, l'établissement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière a vocation pour intervenir dans la réalisation, la construction, l'implantation, la réhabilitation, l'achat, la vente, la prise à bail, la location ou par toute autre voie de toute opération d'habitat comportant des logements collectifs ou individuels ou des parcelles viabilisées. La prise de participation dans le capital des sociétés, deux sociétés. La prise et la concession de garanties de toute nature, la contractualisation de toute obligation,
intégrant notamment des éléments de défiscalisation en vue de la réalisation de l'objet social. La réalisation de toute opération de maîtrise d'ouvrage, que ce soit en propre, en son nom propre, en qualité de conseil, d'assistant de maître de l'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué. La gestion pour son compte ou celui de tiers de tout ou partie d'immeuble collectif ou lotissement. L'aide à des opérations de construction, de réhabilitation ou de réparation d'habitations collectives ou individuelles à destination des personnes ou des familles à ressources modestes et des personnes à mobilité réduite. La réalisation de toute transaction immobilière, l'achat, le transport, le stockage, la transformation, le colisage et la vente de matériaux et de kits de matériaux de construction, la location d'engins de chantier et de véhicules. Les moyens, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les quatre derniers exercices. En 2003, 127, 2004, 124, 2005, 126 et 2006, 130. Le montant des frais des personnels connaît les évolutions suivantes. En 2003, 721 millions. En 2004, 701 millions, soit une diminution de 2,8%. En 2005, 665 millions, soit une diminution de 5,1%. Cette baisse est liée à des indemnités de départ et des salaires de CDD moindres en 2005 par rapport à l'année précédente, ainsi qu'à des économies consécutives à diverses suspensions de contrats de travail de personnel OPH en 2005 et en 2006, 722 millions, soit une augmentation de 8,6%. Cette progression est due en partie à la mise en place de projets Théautère A et de sa prime à l'emploi de 6 000 francs. Les moyens financiers mis à la disposition d'établissements en fonctionnement depuis 4 ans ont évolué comme suit. Donc, en 2003, c'est auto, monsieur. 6 milliards, 16 millions. En 2004, 4 milliards 676. En 2005, 4 milliards 581 millions. Et en 2006, 6 milliards 341 millions. La subvention du pays correspond à la subvention annuelle octroyée à l'établissement pour compenser les charges du personnel CH. Les ressources propres recouvrent les loyers, la rémunération du maître d'ouvrage, les produits de l'activité commerciale, les produits financiers, les produits exceptionnels et les reprises sur provision. Les autres ressources comprennent, de 2003 à 2005, les crédits du FSH, Fonds social de l'habitat, à hauteur d'une cotisation de 1% collectée par la CPS, qui passe de 661 millions en 2003 à 640 millions en 2004 et à 688 millions en 2005. Pour 2006, la subvention en compensation du Fonds social de l'habitat pour 700 millions de francs CFP. Les subventions de programmes de FARE et participation des ménages à l'acquisition de la FARE OPH. Les subventions d'aide à l'amélioration de l'habitat individuel, la subvention de relogement en urgence. Les faits marquants. L'audit sur les comptes des exercices 2003 à 2006 a été mené par la SCP des commissaires aux comptes Redon, Pellou, Chaise, Moussiane, Lys. Ce travail a permis à l'Office d'obtenir la certification de ces comptes. Une dégradation du taux de recouvrement. L'année 2006 connaît une aggravation marquée de l'accroissement du volume des impayés, soit plus 17,3% par rapport à 2005, c'est-à-dire 288 millions en valeur. Le montant cumulé des impayés au 31 décembre 2006 s'élevait à 1,980 millions, dont 1,7 milliard pour le parc ancien et 280 millions pour le parc nouveau. Un plan d'action a été mis en place au premier trimestre 2006, ciblant les lotissements du parc nouveau afin de retrouver le taux de recouvrement de mars 2004 et de poursuivre jusqu'à l'obtention du taux de 90%
conforme aux hypothèses d'exploitation des lotissements du parc nouveau. Après avoir donné des signes encourageants à la mi-juillet 2006, un point d'inflexion a été constaté vers le mois de septembre 2006. Le taux de recouvrement en fin d'exercice se redresse pour passer de 42,3% à 45,3%. Fin décembre 2006, le niveau des provisions pour créances douteuses est en augmentation de 18% par rapport à l'année précédente, conséquence de la hausse du niveau d'impayés. Donc, en 2002, les impayés 1,125 milliard. En 2003, 1,166. En 2004, 1,408 millions. En 2005, 1,688. Et en 2006, 1,980 millions. Les créances à plus d'un an sont provisionnées à 100%. Les créances de plus de 6 mois et de moins d'un an sont provisionnées à 50%. Et les créances inférieures à 6 mois sont provisionnées à 25%. Cette règle de provisionnement est celle retenue dans les offices publics de HLM métropolitain appliquant l'instruction comptable M31. Évolution de la demande à l'OPH. Donc, en 2002, 6301. En 2003, 6249. En 2004, 6490. En 2005, 6597. Et en 2006, 7327. Les réalisations de l'OPH. Donc, je vous invite à lire le tableau. Ces quelques données seront utilement complétées par la lecture des rapports d'activité de l'OPH pour les quatre exercices considérés. Examen des comptes financiers 2003 à 2006. Exécution des budgets 2003 à 2006. Les grandes masses à la clôture des exercices considérés. Les comptes financiers de l'OPH se présentent comme suit. Donc, vous avez le tableau récapitulatif des opérations des comptes financiers. Donc, en 2003, en fonctionnement, vous avez 393 842 233. En investissement, moins 389 772 445, pour un résultat de 4 069 788. En 2004, 146 430 709, et en investissement moins 849 011 714, pour un résultat global de moins 702 581 500 francs. En 2005, en fonctionnement 66 138 037. En investissement 1 209 284 028, pour un résultat de 1 275 422 065. En 2006, 484 313 280, pour un investissement 857 661 170 718, pour un résultat global de 1 341 974 998. Les éléments déterminants du résultat. Donc, vous avez un tableau encore devant vous. Donc, je vais lire les résultats du compte de résultat 2003 pour 393 842 233. En 2004, 146 430 709. En 2005, 66 138 037. En 2006, pour 484 313 280. Il est rappelé que la technique comptable des ressources affectées pour les programmes d'aide à l'habitat dispersé, mise en application à compter de l'exercice 2000, neutralise sur le compte de résultat l'incidence erratique du déroulement des programmes d'habitat dispersés et permet une lecture directe du compte de résultats.
l'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement sur les quatre exercices examinés est la suivante. En actifs pour 2003, 18 025 856 663. En 2004, 17 910 396 812. En 2005, 21 820 755 793. Et en 2006, 23 612 665 970. En passif pour 18 025 850. Oui, c'est pareil. Bon, je ne vais pas relire, c'est les mêmes. En affectation des résultats. Sur les quatre exercices examinés, les comptes financiers de l'Office polynésien de l'habitat présentent les résultats globaux suivants. En 2003, 4 069 788. En 2004, moins 702 581 500. En 2005, 1 275 422 065 francs. Et en 2006, 1 341 974 998 francs. Compte tenu de ces soldes, le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit. En 2003, 1 806 881 678. En 2004, 1 104 299 673. En 2005, pour 2 379 721 738. Et en 2006, pour 3 721 696 736. Il est précisé que le fonds de roulement se compose de la trésorerie constatée au 31 décembre. Il inclut les sommes encaissées, affectées à des programmes particuliers dont le décaissement interviendra ultérieurement. Du montant des créances à court terme, il inclut les créances douteuses non provisionnées. Du stock. Le stock est constitué uniquement des kits de frais commerciaux. Les kits de frais sociaux ne figurent pas en stock dans la comptabilité de l'Office, car dès leur constitution, ils sont attribués nominativement à un bénéficiaire. Le tout diminué des dettes à court terme de l'établissement. Quant aux résultats d'exploitation, il enregistre sur les quatre exercices considérés un solde positif. En 2003, 393 842 233. En 2004, 146 430 709. En 2005, 66 138 037. Et en 2006, 484 313 280. Ces montants excédentaires sont affectés au compte 110, report à nouveau, solde créditeur. Donc, après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, d'adopter les quatre projets de délibération 6 juin. Voilà, merci, monsieur le représentant. La conférence des présidents a prévu une discussion générale de 60 minutes, 30 minutes pour l'UDSP, 24 minutes pour Totato Aya et 6 minutes pour Temanot Momutu. Donc la discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Monsieur Tony Géros, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc je ne serai pas aussi long que ce que la conférence des présidents a réservé comme temps de parole pour notre intervention, mais par contre, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse sur l'intervention de Madame la Ministre, qui a tout à fait raison, sur les raisons du décalage qu'il y a entre le moment où les exercices ont été, sont arrivés à terme et le moment seulement où notre Assemblée est saisie pour examiner ses comptes. Lorsque j'étais ministre, je m'en suis inquiété. Il me semble qu'il y a un réel problème au niveau du secrétariat général de la présidence. Donc je veux saisir l'occasion pour essayer de voir pour quelles raisons ça traîne longtemps. Il ne s'agit pas que de ce compte,
je veux dire, du compte de cet établissement, mais il s'agit également du compte des autres établissements. Ceci ayant été dit, je relève dans le cadre de l'ensemble de ces exercices, qu'il s'agit des exercices où majoritairement le gouvernement Temaru a exercé la tutelle de cet établissement, l'OPH. Donc, bien entendu, on ne va pas cacher notre approbation totale sur l'ensemble des comptes qui nous sont exposés. Mais par contre, on peut utiliser effectivement le fait que ces comptes nous soient présentés de manière pratiquement les uns après les autres pour essayer d'en apporter une analyse sur le plus long terme. Ce que l'on peut dire, c'est que pratiquement il y a eu un véritable décrochage entre la demande, enfin du moins les chiffres, ce sont les chiffres qui nous font exprimer ainsi, un véritable décrochage entre la demande exprimée par tous ceux qui se sont présentés au comptoir de l'OPH et la capacité du pays à pouvoir offrir. Mais bien entendu, avec le recul qui est le nôtre, on sait que ceci est dû en particulier au problème que nous avons évoqué ce matin, c'est-à-dire la rareté du foncier qui fait défaut pour la manifestation de nos politiques respectives en matière d'habitat, mais également à cause de la problématique du financement, des cofinancements que nous avons à plusieurs reprises au cours de ces exercices essayé de rechercher tant avec l'État qu'avec les autres bailleurs de fonds. Donc ça, c'est un premier point qui nous amène indubitablement au point d'achoppement, c'est que ces comptes expriment réellement le grand problème de nos politiques de logement respectifs, c'est la problématique du recouvrement de nos créances. Et effectivement, depuis 2002 et même avant 2002, nous pouvons constater que déjà la problématique du recouvrement de nos créances en matière de logement social était une problématique qui aurait dû normalement sensibiliser bien avant le gouvernement Taoui, les gouvernements ou le gouvernement précédent. Ceci étant, nous, à la lumière des comptes qui nous sont exposés, nous savons maintenant, et du moins nous ne pouvons pas nous défiler sur le fait qu'il s'agit d'une problématique qui est entrée dans une perspective, on va dire, structurelle, puisque maintenant, ça fait partie des meubles, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais si nous n'agissons pas avec des outils adéquats ou avec des politiques convenables, et il suffit de mettre en place un petit algorithme d'extrapolation pour savoir ce que sera la situation en matière de recouvrement de nos créances à l'horizon 2015 ou 2016. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui me semble être le point d'achoppement de la problématique de logement social, du moins aujourd'hui, en termes, on va dire, en termes de gestion financière uniquement. Sinon, on peut voir au résultat de chacun de ces exercices que tous ceux qui se sont succédés à la gestion de l'Office des publics de l'habitat ont géré la maison, on va dire, convenablement, en quelque sorte. D'ailleurs, un des éléments importants, c'est celui de la masse financière que l'on peut examiner sous l'angle de l'évolution des effectifs, qui est resté pratiquement constant pendant toute la durée des exercices pour lesquels nous avons examiné les comptes. Donc ça, c'est un élément qui est important, parce que c'est en fait là que ça peine quelquefois. Et puis aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que depuis les États généraux donc de 2005, tous les ministres qui se sont succédés après ces États généraux ont accepté, on va dire, de jouer le jeu et donc de mettre en œuvre ce qu'ils ont pu pendant leur période d'exercice, les éléments importants qui sont ressortis des conclusions de la réflexion de ces États généraux. Alors, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Office polynésien de l'habitat,
un certain nombre d'innovations, et non des moindres, ont pu être observées par nous-mêmes et même par tous ceux qui ont les yeux pointés sur la façon dont cet office est géré. Et on ne peut qu'en être fier. Il suffit notamment des mises aux normes qui ont été effectuées en termes de management et en termes de recherche de qualité de service qu'on a pu observer dans le cadre des titres qui ont été décernés à cet office. Un des exemples de dysfonctionnement dont je parlais, Madame la Ministre, avec le SGG, normalement, lorsqu'on présente nos comptes au niveau de l'Assemblée, on garde un certain standard de présentation pour permettre notamment aux élus de s'y retrouver, quel que soit l'exercice examiné. Or, prenez par exemple l'arrêté, le projet d'arrêté de 2006, il n'est pas fait référence dans les visas, parce que ça a été mon premier réflexe, de l'arrêté du gouvernement qui a adopté le compte financier 2006. Alors que précédemment, dans tous les visas, cet arrêté figure. Donc c'est très important. Et ceci m'amène à dire que on peut-être essayer également là, utiliser, on va dire, cette faiblesse de la façon dont les choses ont été rapportées à notre instance, pour parler de procédure. Normalement, le CA est souverain pour adopter ses comptes, puisqu'il est souverain pour voter son budget, et puis l'exécutif est là pour assurer son rôle de tutelle, de contrôle, et en fait d'autorité en charge de la ratification de ce que l'autorité compétente a mis en place. Donc, on considère que le Conseil des ministres, par son arrêté, donc vote, on va dire, adopte solennellement et en définitive le compte financier, et puis voilà que dans la procédure, concernant uniquement le compte financier, mais pas le budget, on nous demande également de l'adopter une deuxième fois. Alors là, peut-être, il y a quelque chose à voir, parce que si effectivement nous voulons être informés de la façon dont les comptes sont exécutés dans les offices, peut-être que si, dans la procédure, on a prévu que l'instance exécutive est celle qui doit adopter le compte, qu'on nous exonère de son adoption, et qu'on défère ce compte, par exemple, à l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier pour apporter son avis sur la décision rendue par exemple, l'instance habilitée comme le Conseil des ministres qui a adopté le compte financier. Mais admettons que nous, on rejette l'adoption de ce compte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça, pour éviter des interférences de ce genre. Peut-être essayer de revoir au niveau de la procédure ce qui peut être fait dans le sens de la simplification des choses. Mais en tous les cas, encore une fois, félicitations pour le travail effectué. C'est vrai que gérer le logement social, c'est pas facile, parce qu'on doit gérer à la fois des effectifs et on doit gérer ensuite la mise en œuvre des politiques qui nous viennent d'autres effectifs, des effectifs qui approchent le problème de manière plus subjective, alors qu'à l'intérieur de la boîte, on demande d'avoir une culture plus objective, et c'est ce qui en est ressorti, je crois, avec la façon dont aujourd'hui fonctionne la commission d'attribution des logements, qui, à partir d'un règlement, est beaucoup plus, on va dire, équitable. On va dire les choses comme ça, n'est-ce pas, Madame la Ministre, dans le choix de ses attributaires. En tous les cas, voilà, Monsieur le Président, le point de vue de l'UDSP. Marouri. Merci, Monsieur le représentant. Décidément, l'Esprit Saint est descendu sur cette Assemblée. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à intervenir. De qui s'agit-il? Madame Algan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, avant de donner l'intégralité de l'intervention que j'ai préparée, dire à Madame la Ministre, c'est vrai que lors de la commission de juin 2008, la commission ne s'est pas contentée uniquement à examiner les chiffres, mais la commission est allée
très très loin dans sa réflexion sur une politique globale du logement social. Parce que c'est un sujet qui est... Le sujet d'abord est passionnant et amène bien sûr des passions. Et c'est un domaine qui est nécessaire et qui est tout à fait dans l'urgence aujourd'hui, connaissant le nombre de demandes et que nous n'arrivons pas à satisfaire justement au niveau de l'offre. Donc pardonnez-nous, Madame la Ministre, puisque effectivement on a été au-delà que le compte financier, et surtout ça concordait à 2-3 jours avant, je crois, avant la commission, au passage de l'AFD, qui est le premier bailleur de l'OPH, à la mission de l'AFD, et alors que l'AFD, il y a quelques années, s'était un petit peu désengagé dans le logement social auprès de l'OPH. Donc il y avait cette passion à ce moment-là, lors de la commission. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà à de multiples reprises sur l'OPH et plus généralement sur le logement social. Le logement social est dans une situation d'urgence. Les traits majeurs qui caractérisent le logement social dans notre pays sont le manque de moyens financiers, ce qui ne permet pas d'engager des programmes en nombre suffisant au regard de la demande. La déresponsabilisation des familles vis-à-vis de leur loyer, ce qui obère les finances de l'OPH. La faiblesse de notre outil de production publique, ce qui fait que lorsque l'OPH a un terrain et les financements, il réalise ses programmes dans des délais et des conditions inférieures à ceux du privé dans le logement intermédiaire, par exemple. Les comptes financiers 2003-2006 de l'OPH sont le reflet de ces différentes caractéristiques. Le nombre d'opérations est nettement insuffisant. En 2006, par exemple, le taux de satisfaction de la demande en habitat groupé est de seulement 2%. La faiblesse des réserves foncières de l'OPH, qu'on met parfois en avant, n'explique pas cet état de fait. En effet, la faible réserve foncière de l'OPH n'explique pas l'absence de réalisation quand, dans le même temps, les privés, tout autour de l'île et tout particulièrement dans le cœur même de l'agglomération, trouvent des terrains et réalisent leurs opérations. La première problématique du logement social est une problématique financière. Il faut beaucoup, beaucoup plus d'argent directement pour financer les opérations de construction. Il faut également de l'argent indirectement pour aider les familles à assumer leurs charges locatives ou l'accession à la propriété de leur logement. Sur ce dernier point, celui de l'aide familiale au logement, je sais que le ministère est dans cette démarche, la remise à plat de notre système de protection sociale généralisée, engagée par le ministre en charge de la solidarité, Mme Armelle Mesteron, que je remercie au passage, en concertation avec les partenaires sociaux, devra nécessairement apporter des réponses innovantes, équilibrées et durables, afin que les plus démunis trouvent même en dehors du parc de logement de l'OPH, les moyens d'avoir un toit décent pour leur famille. Ce doit également être le moment de reprendre en main le principe de paiement des loyers. Alors que l'OPH annonce un plan qui doit le conduire à recouvrer 90% des loyers, il constate dans le même temps qu'en 3 années, le taux de recouvrement de fin de mois a perdu plus de 22 points pour s'établir à 32,4%, ce qui veut dire que seulement un locataire sur 3 règle son mois en cours. Le montant des impayés, dont la progression a été contenue jusqu'en 2003, a explosé depuis 2004 et avoisine aujourd'hui 2 milliards. L'attitude des politiques justifiant ou incitant la déresponsabilisation des familles vis-à-vis de leur logement a eu une influence importante sur ce développement. Cependant, il faut reconnaître que l'augmentation du coût de la vie et les difficultés économiques ressenties d'abord et plus durement par les familles les moins bien loties
un impact certain sur leur attitude à l'égard du paiement de leur loyer. Là encore, la mise en place d'une aide familiale au logement, qui existe ailleurs depuis de très nombreuses années, semble se justifier et doit, en tout état de cause, être réfléchie dans le cadre de la réforme de la PSJ. En ce qui concerne le financement des constructions, et comme nous l'avons déjà expliqué ici, la défiscalisation métropolitaine ne sera pas la bouée de sauvetage du logement social. En effet, le système de défiscalisation métropolitain n'est encore aujourd'hui pas adapté au logement social polynésien, car les seuils de revenus des ménages et les niveaux de loyer sont inadaptés. L'équilibre financier des opérations n'est donc pas assuré en utilisant ces dispositifs, sauf à faire peser sur les ménages des charges extrêmement lourdes, incompatibles avec leurs revenus, ou à transférer ces charges sur l'OPH ou la collectivité, ce qui réduit à néant l'intérêt même de la défiscalisation. En tout état de cause, elle ne peut pas remplacer les subventions directes, même en cas de double défiscalisation. Le contrat de projet récemment signé avec l'État doit urgemment être mis en œuvre, mais il ne suffira sans doute à amener la production de logements sociaux à un niveau suffisant. Nous serons donc très attentifs au montant des financements publics qui seront prévus au prochain budget de la Polynésie française. Je le souhaite. Enfin, il me semble que l'OPH, malgré ses réformes et sa qualification ISO, ne peut être aussi performant qu'on pourrait le souhaiter pour ce qui est de la mise en œuvre des projets, et qu'il est peut-être temps d'engager la réflexion sur une diversification des acteurs constructeurs de logements sociaux en Polynésie française. Je vous remercie. Merci, Madame la représentante. J'appelle le premier intervenant du groupe Temana Automomutu à prendre la parole, Madame Parker. Oui, Monsieur le Président, vous avez la parole. Madame la ministre, chers collègues, publics, collaborateurs, journalistes, Yorana, plus de visibilité de programme, résorber le problème du foncier, résorber le problème des impayés. Telles sont les doléances principales de l'Office polynésien de l'habitat, 8 ans après sa création. Cette infrastructure subventionnée par le territoire a récemment mis en place des modifications internes et externes avec pour objectif une amélioration de ces services qui touchent à la fois au social et au commercial. Afin que le processus d'accès au logement soit plus clair et qu'il se fasse dans la plus grande transparence, l'Office polynésien de l'habitat a récemment procédé à la refonte du règlement intérieur en matière de critères d'attribution. La certification ISO 9001 établit des procédures en interne clarifiant l'organisation de l'établissement. Cette EPIC nous a confirmé sa volonté de mieux prendre en compte les besoins des clients ainsi qu'un réel besoin de travailler par objectif avec des indicateurs et des suivis des aménagements. En mettant en place le livre blanc du logement, l'OPH a souhaité éclairer le politique sur ses contributions et ses capacités. L'Office polynésien de l'habitat a également mis en place des associations pour accompagner les locataires, en plus d'être l'initiateur de l'aide familiale au logement. Après avoir fait le constat que 15% des demandeurs de logement n'avaient pas même un demi-smic de revenus par mois, l'OPH a fait passer pour les plus démunis le loyer de 18 310 francs CFP à un montant de 7 000. À côté de ces initiatives, son site sur la toile du net fonctionne relativement bien depuis janvier 2008 avec 200 visites par jour. D'autres innovations sont à prévoir, des antennes à Travaux et à Moria. Après 2008, grâce au contrat de projet, la réhabilitation du parc locatif
objectif nouveau et attendu de l'Office polynésien de l'habitat. La mise en place également d'une démarche environnementale sur les programmes de construction. À ce sujet, à la demande faite au service de l'OPH de la possibilité de développer des constructions de farine à partir de matériaux locaux et dont l'architecture se fondrait plus dans notre environnement et notre culture polynésienne, la réponse n'a pas été négative, mais prudente et sceptique. Car même avec notre bois de pin de Caraïbes, de bois de cocotier, même avec l'utilisation du nid-haut pour les toitures, la valorisation de nos matières premières engendrerait un surcoût. En ce qui concerne les épreuves réelles et lisibles dans les bilans d'activité de l'OPH de 2003 à 2006, trois problèmes majeurs devront être affrontés, autant par les PIC que par les politiques, quel que soit le gouvernement en place. Le premier problème, vous l'aurez tous relevé, c'est le foncier. La grande difficulté pour l'OPH, c'est de disposer de fonciers aménagés. La délibération de 1999-217 APF du 13 janvier 2000 définissait la politique en matière d'habitat social et donnait la priorité à l'OPH en matière de foncier. Il faut constater que ce n'est pas le cas. Si l'OPH est en effet opérateur de construction, les aménageurs doivent amener le foncier. L'OPH se trouve aujourd'hui en bout de chaîne, après le GT, l'équipement et la SAGEP. Il y a du foncier, mais encore faut-il qu'on en dégage pour le logement social. En outre, les démarches d'obtention de farine sont des démarches administratives lourdes qui rendent la structure OPH peu réactive face à la concurrence privée. Le second problème qui se pose, ce sont les impayés, comme vient de le souligner M. Anthony Géros. Des impayés qui perdurent et qui représentent aujourd'hui 2 milliards de fonds CFP. C'est un véritable problème qui hypothèque les financements futurs, car tout n'est pas subventionné à l'OPH. L'établissement a commencé avec 1 milliard d'impayés en 2000, donc le problème n'est pas nouveau. Mais principalement à cause de ces loyers impayés, la banque AFD ne finançait plus les opérations de l'OPH depuis 2006. Avez-vous engagé des négociations avec cet établissement? Si oui, peut-on connaître les résultats de ces négociations? La création de l'aide familiale au logement fixant les loyers à 7 000 francs CFP devrait permettre de départager les familles les plus démunies de celles qui refusent de payer quand ils peuvent le faire. Dans ce système-là, ce sera plus facile de prendre des mesures de recouvrement. Pour l'instant, l'OPH est en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, entre le bailleur qui réclame l'argent et le pays qui exige encore plus en matière de logement et d'aménagement sociaux. Il faudrait donc choisir soit que l'OPH devienne un EHPA et qu'il ne vive que de subventions et qu'il ne fasse que du social, soit que l'OPH reste un EPIC et dans ce cas, qu'on lui donne une grande marge de manœuvre en matière de recouvrement, que cet établissement puisse être géré avec de véritables moyens. Enfin, le dernier problème, et ce n'est pas le moindre, c'est la visibilité des programmes de l'OPH. Cet établissement attend une réflexion globale du pays. Le programme de Totato Aïa prévoit à cet effet 12 mesures, entre autres une évaluation avec chaque commune des besoins d'amélioration de l'habitat, un programme de résorption de l'habitat, l'allocation par les pouvoirs publics de 300 logements du parc privé géré par l'agence immobilière à vocation sociale pour permettre le relogement en urgence des familles en grande difficulté, des aménagements d'espaces de loisirs et de sport, une accession à la propriété facile, des logements pour les jeunes ménages, etc. Foncier, créances et objectifs, ce sont les trois chevaux de bataille de l'OPH,
qui, en dépit des changements politiques, poursuit ses missions. En espérant que cet établissement puisse aller au bout de ses objectifs précités, nous émettrons un avis favorable aux exercices financiers qui nous sont soumis aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Maruro, d'autres interventions? Madame Lévy-Agami, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de ce débat sur les comptes de l'OPH pour vous faire part, Madame la Ministre, de mon souci de voir une véritable politique du logement mise en place. Là, plus particulièrement dans ce dossier, on parle du logement social, mais je souhaiterais vraiment que le gouvernement nous parle du logement en général, d'une véritable politique du logement pour l'ensemble des Polynésiens. Je pense que c'est important parce que il faut que chaque type de ménage, chaque type de famille puisse avoir accès à un logement et qu'il est important en effet d'aider les plus démunis, mais il faut également que chaque type de famille qui n'est pas forcément dans ce cadre de difficultés financières puisse avoir accès à un logement décent. Et je souhaite vraiment que l'ensemble des dispositifs qui ont été votés par notre Assemblée puissent être mis entre les mains d'un même ministre dans le cadre du même portefeuille du logement. Parce qu'on le sait, pour certains dispositifs, ils dépendent du ministre de l'Économie, pour d'autres ministres. Et finalement, nous n'avons pas de lisibilité, comme le disait Mme Parker précédemment, sur quelle politique du logement on veut en Polynésie française. Donc je vous lance un appel pour que, pour les orientations 2009, vous nous fassiez part de votre vision du logement en Polynésie française pour l'ensemble des Polynésiens et pas seulement, pas uniquement pour les Polynésiens en difficulté et qui bénéficient, qui ont la possibilité de bénéficier de logements sociaux. J'ai l'impression trop souvent que le logement égale logement social. Il n'y a pas que des personnes qui sont dans ces cas-là qui ont des difficultés à se loger. Il y a beaucoup de jeunes couples qui ont des revenus qui sont supérieurs à ce qui est demandé par l'OPH pour pouvoir bénéficier de logements sociaux, mais qui n'ont pas suffisamment non plus pour pouvoir emprunter. Donc je souhaite véritablement qu'il y ait une politique qui soit mise en place dans ce sens. Et parallèlement à ça, je souhaite que nous, au niveau de l'Assemblée, nous fassions évoluer le droit en matière de foncier. Cette semaine, l'Association des juristes de Polynésie française organise un colloque sur le foncier. Je compte beaucoup sur les conclusions de ce colloque pour pouvoir récupérer ces éléments, puisqu'il va y avoir des professionnels spécialisés dans ce domaine, pour vous proposer, dans le cadre de la Commission des affaires civiles, de commencer à travailler sur ce type de texte et en collaboration, bien sûr, avec le ministre concerné. Je pense que dans beaucoup de cas, on le voit, nous, élus, il y a des gens qui sont propriétaires terriens, mais qui vivent dans l'indivision. Et parce qu'ils sont dans cette indivision, finalement, on les dirige vers des logements sociaux de type immeuble, dans lesquels on va les mettre, ou alors des logements qui vont être avec des parcelles intégrées, des parcelles de terre intégrées. Si parallèlement à la politique qu'on va mettre en place en matière de logement, on avance sur le problème foncier, je pense que là, on n'aura plus ce problème d'assise foncière, de rechercher à chaque fois une assise foncière pour nos logements sociaux. On pourra mieux orienter les demandeurs vers à ce moment-là, une aide à la construction. Parce que je crois qu'il faut qu'on soit efficace et efficient dans ce qu'on fait. Et on se rend bien compte, en discutant avec des gens qui ont été attributaires de logements sociaux, que bien souvent, ils ont des terrains, mais que ces terrains n'étant pas partagés, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir en avoir la jouissance. Donc c'est sur ces deux points-là que je souhaite qu'on évolue au niveau de l'Assemblée par rapport aux travaux que nous allons initier, mais également au niveau du gouvernement pour qu'en 2009, on ait une politique de logement en Polynésie française qui prenne en compte
et les logements dits logements sociaux, mais également les autres types de logements destinés à des jeunes, les logements intermédiaires, les aides au logement pour toutes les catégories finalement de population. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au logement en Polynésie française. Donc ça suppose qu'on ait un état des lieux du logement en Polynésie. Et bien évidemment, bien que nous nous mettions autour d'une table pour discuter du problème foncier et que nous arrêtions de discuter et plutôt que nous passions à l'action. Merci. Merci madame. Et avant de donner la parole à madame le ministre, monsieur Tefarelli, vous avez la parole. Hey, Marou Brittany. Patrejo, Animita Boterho. Tidiaho Atreo OPH, Tenatu Tehei Oterho. Namoru o maruru ya oe whaikuto rai te amo te e pū. Fouwha, no te nuna i rotoi te ora rā, wewe i rotoi te ora whiwhi e te prau o te nohora. Me rei to umu mono o. Me rei ro to umu mono o ni e ke e tu mu prau. Te mea mita e mā. Algon i whaiti i rotoi te rūra o te tomite i awa anu tiu nūra. O mau vano fea pro proroa. E hak o mai o Beatriz. E te in arone vau e taparu tatou e whaoro mai o tōs wharo a mai keramono. E ni ai te wewer au te ferubira. Nā te mō eivāna e whātupu te mō tuatapo para ini e te parao te ture e te ture whenua whāri tato. Nā tato i rau anei horoa te mō rawea e te mō tumu tawhiwhino e tato ini e te whenua e wewino a tato e nā whae ti eia. Me whiwhiro. Te e nā te whiwhi. Te rā mō vāna e parauhiara. E parauhiara. Whahua e wāna o ratouga ke tumu o te e whiwhi. Ini a hoa rā te parau o te noho rā e te parau o te whenu. No te mea, aore tātou e whari e heume ini e ki āai no te i te hua hua rā te tumu e whiwhi e te parau o te whenu o te whenu o whiti e te whenu anei e i tatei e tumu parau e matara. Nā te numera no e horo omai i te e matara. Nā te numera no e apropro i tātou. I te mea rā wike au e tawhiwhire to tātou whātarehau e nārtui to tāwore o nenhero, nārtui tu yu vau i te reo popa. Aujourd'hui, nous allons donc donner, mesdames et messieurs, notre avis sur les comptes financiers de l'OPH des années 2003, 2004, 2005, 2006. Moi, j'ai cette manière de faire, de regarder tout ce qui a été écrit par le passé. De disséquer, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Comme je l'ai dit en tahitien, le drame, c'est que dans la politique de logement du pays, en voulant bien faire, on n'a pas su faire preuve d'imagination, d'audace et de rigueur, et traiter les problèmes de fond. Et tant qu'on n'ira pas au fond, on sera toujours confronté aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si ça ne dépendait que de ma personne, mon avis ne sera pas positif. Mais je me joindrai à l'ambiance générale qui découle des avis des uns et des autres pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres. Première remarque qui va nous irriter. Bien souvent, en notre qualité d'élus du peuple, nous sommes critiqués. Parce que l'on nous reproche d'être trop bien payé pour le peu de travail que nous faisons ou d'avoir des collaborateurs qui coûtent cher à la collectivité. Or, quand on prend le montant des frais de personnel de 2003 à 2006, 721 millions, 701 millions, 605 millions, 722 millions, reportés sur le nombre de travailleurs 127, 124, 126, 130, ça fait une moyenne par an entre 440 000 l'époque, l'année où c'était le plus bas, la moyenne, et l'année où la plus haute, 473 000 francs par mois et par employé.
Quand on compare par rapport à tous les établissements publics du pays, à tous les services, c'est l'un des établissements où la moyenne salariale est la plus élevée. Il faut savoir disséquer. Hein. Ça, c'est ma première intervention. Deuxième question. Est-ce qu'on peut, dans le débat qui est le nôtre, me donner le nombre de recours à pro-intérim ? Parce que j'ai appris qu'on faisait recours à pro-intérim. Personnel donc non comptabilisé au titre des emplois pour 2006 et accessoirement 2007-2008. Sur le personnel, anciennement CAH, on en parle. Est-il exact que ce personnel assume des fonctions qui ne sont pas les siennes et que bien souvent ils servent d'agents de placement des voitures des visiteurs dans le parking? Et pourtant, il y a tellement à faire au niveau de l'entretien des lotissements gérés par l'OPH. On pourrait mieux rentabiliser ce personnel. Je reste uniquement sur ce qui est écrit là-dessus. Quelle est la rémunération exacte? Bon, on parle de la rémunération du maître d'ouvrage. Est-ce que cette rémunération correspond au réel travail de constructeur de l'OPH? Troisième question. Sur le fonds social de l'habitat, le fameux 1% CPS qui est dit 1% patronal, cette cotisation de 1% prélevée sur les salaires n'existe plus, mais qui aurait dû être affectée à l'époque à l'investissement, donc à la construction de logements, à quoi exactement cette somme a-t-elle été affectée? Quand on regarde le tableau relatif à l'évolution de la demande de l'OPH, en habitat groupé et en habitat dispersé, les réalisations de l'OPH de 2002 à 2006, et qu'on lit avec attention les conclusions des assises du logement qui ont été réalisées par notre ami Gilles Tefato, ici présent, il y a de quoi être réellement pessimiste sur le règlement de ces problèmes dans le moyen et long terme. Parce que les enveloppes financières qui sont consacrées, quand entrons les budgets du pays des années 2002, 2003, 2004 à aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Et je comprends les interrogations de M. Jean-Christophe Bouissou quand il dit qu'effectivement, on n'a pas mis les moyens qui convenaient pour réellement s'attaquer à ce problème. Et oui, il faudrait au minimum doubler. Au minimum doubler, si on veut, sur un laps de temps de 10 ans, résorber ce passif. Or, ce n'est pas ce qui a été fait pour le budget 2008 et pour le collectif qui a été adopté. Il va falloir qu'on en débatte pour le budget 2009. Si l'on se réfère à l'évolution de la structure financière, donc c'est à la page 5.5 du rapport qui nous est présenté, et notamment donc l'importance de la rubrique dette de 2003 à 2006, 5.112.394.828 à 7.503.399.754, il y a de quoi réellement s'inquiéter. Quelle est donc la politique aujourd'hui prônée par le conseil d'administration de l'OPH et le pays pour résorber ces dettes dans le temps? Le programme d'action, c'est de ça que je souhaiterais que l'on en discute également, indépendamment des comptes que l'on nous demande d'étudier. Parce que si on veut donner notre aval à ce qui a été mal fait pour plusieurs raisons, il conviendrait que pour l'avenir, on ne reproduise plus les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Donc voilà, Monsieur le Président. Dernière petite remarque que je souhaitais faire, c'est par rapport aux interventions, notamment de mon ami Rhiannon Parker, sur les louanges qu'elle a faites par rapport à l'AFL. Moi, j'ai été interrogatif ici parce que je compare deux choses qui sont comparables et on en parlait avec mon ami Vito Mamatou. Pour quelques milliers
de mauvais payeurs, on a mis un système qui va être supporté par la collectivité. Quand nous avons été, nous tous, confrontés au problème de la couverture maladie, on a fait preuve à la solidarité territoriale. N'est-ce pas, Monsieur le Président? C'est pour plusieurs dizaines de milliers, aujourd'hui 50 000 personnes réellement en situation de pauvreté ou de misère, devant la maladie. Et on a mis en place la CST, qui mérite d'être perfectionnée. Là, c'est l'inverse qu'on fait. Hein? Quelque part. C'est pas qu'il ne faut pas venir en aide, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement que cette facilité-là? Parce qu'en faisant ça, on ne participe pas à cette volonté unanime de la classe politique, de quelque parti que nous sommes, à responsabiliser notre population. Parce qu'on continue de faire d'eux des assistés. Et ils vont être des assistés permanents à vie. Et c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés dans le traitement de fond. Voilà, Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le représentant. Madame la Ministre, avant de vous donner la parole, je passerai la parole à Monsieur Vuitton à toi, mais sachez qu'au niveau du bureau de l'Assemblée, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de vous adjoindre des traducteurs, de façon à ce que vous puissiez être aidé, même si l'expression n'est qu'en réotéiti, vous aurez à vos côtés, si vous le souhaitez, bien évidemment, des traducteurs. Vito, vous avez la parole. Moni reiru o te ora nai onei,
Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Vous avez dit tellement de choses que j'ai un petit peu de mal à répondre à tout le monde. Je vais essayer de le faire d'une façon générale. D'abord, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Vous avez dit tous des choses qui étaient exactes. Et il faut arriver à synthétiser tout cela. Merci aussi à Sandra Lévy-Agami qui a bien repris ce que je lui avais effectivement dit déjà et qui était dans mes intentions. Effectivement, je dirais que sans perdre du temps, grâce aux travaux qui ont été faits ces dernières années, des constats sont faits. Il y a eu les états généraux du logement. L'OPH a sorti le livre blanc du logement social. Donc je crois qu'il ne faut plus effectivement revenir dans le constat, la compréhension. Tout est dit. Véritablement, si vous lisez le livre blanc du logement social édité par l'OPH, si on lit également les conclusions des états généraux du logement, je crois que vraiment tout est dit. Maintenant, le défi est effectivement d'arriver à en faire la synthèse et à avoir la motivation pour le faire, en avoir les moyens et mettre tout le monde effectivement dans ce travail. La première chose que je dirais à propos des moyens, c'est que je voudrais vous rappeler que pour l'éducation, l'État accorde 55 milliards. Si on rajoute en minima 6 milliards, 6 à 7 milliards que le pays met, vous voyez qu'on dépasse pour l'éducation 60 milliards. Pour la santé, 46 milliards. Or, l'éducation, la santé sont avec le logement, me semble-t-il, des droits fondamentaux de la personne et qui doivent lui permettre de vivre correctement dans notre société. Et vous rappeliez tout à l'heure les montants qui sont effectivement mis au service du logement, même si on rajoute les projets de logement qui sont réalisés par le système libre, même si on rajoute le marché. Si on rajoute les aides qui, par ailleurs, sont accordées par le pays, on est très loin de ces sommes. Ce qui veut dire, me semble-t-il, que dans les années à venir, c'est vrai que c'est d'abord une question de moyens financiers. C'est vraiment le premier problème. Si vous prenez le cas de l'OPH, l'OPH vit de subventions. Elle n'a aucune ressource pérenne.
La seule ressource pérenne, régulière, sur laquelle elle pouvait compter, c'était le FSH. Je dois dire que je pâlis d'envie quelquefois quand je vois les rémunérations, les ressources affectées que peuvent avoir des organismes comme le GT, comme le port autonome, et je me dis que si on pouvait en avoir une partie, ça serait bien. On n'en a pas. Il n'y a aucune ressource pérenne à l'OPH. Les seules ressources propres qu'elle a directement sont liées à la vente des kits OPH. Donc c'est le premier problème. Le deuxième problème me semble être effectivement la façon dont on a considéré le logement social dans les années à venir. Vous savez très bien qu'on a pris les choses d'une façon trop politique et qu'on a finalement donné le sentiment aux gens qu'avoir un logement, c'était une chance, c'était quelque chose qu'il fallait aller gagner dans les mains des politiques. Et les gens ont pris ce pli. Il faut arriver à le changer. Parce qu'à partir du moment où ils ont leur logement, ils considèrent qu'ils n'ont plus de compte à rendre. Or, justement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des changements de comportement. Et c'est vrai qu'au sein de l'OPH, un certain nombre de mesures sont prises pour essayer de changer cette vision des choses. Mais ça ne changera que si, de l'extérieur aussi, nous leur faisons savoir que ça ne peut pas fonctionner comme cela. Je prends l'exemple depuis 2000. Vous savez qu'il y a un changement pour essayer de construire plus. On a accordé moins d'aide à la pierre, c'est-à-dire qu'on a moins subventionné pour essayer de construire plus. Mais cela... Si vous voulez, c'est traduit par des loyers plus élevés, puisqu'il a fallu emprunter plus pour pouvoir construire et construire plus. Or, quand l'OPH emprunte, il faut rembourser. Et si les loyers ne sont pas payés, eh bien, c'est un manque à gagner pour l'OPH pour assurer le remboursement de ses prêts, pour payer les charges qui sont inhérentes au logement. Donc, tout va de travers, je crois, et il faut essayer de remettre tout ça d'équerre. Je dirais aussi qu'il m'a semblé, au bout de quelques mois, qu'on n'appréhendait pas suffisamment, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, la question du logement dans sa globalité. Et on avait tendance à isoler le logement social de tout le reste. Or, l'analyse que nous faisons à l'heure actuelle démontre qu'il y a quand même des interrogations à avoir et il faut se poser des questions. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur le marché polynésien du logement, il y a des logements intermédiaires qui ne se louent pas. Et les promoteurs sont ennuyés de cette situation puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de locataires parce que ces loyers sont trop chers. Il faut se demander pourquoi ces loyers sont chers alors que la qualité, permettez-moi de le dire, l'OPH n'a rien à envier à la qualité de ces logements, au contraire. Il y a un vrai problème qui est lié à l'utilisation de la défiscalisation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que comparativement à la Calédonie, où on utilise pour le logement social la défiscalisation loi Girardin, on ne l'utilise pas ici. Et on peut se demander pourquoi tous les logements intermédiaires qui sont mis sur le marché sont toujours loués au loyer plafond. J'ai le sentiment que l'argent public que l'État met par ses crédits d'impôt ou l'argent public que nous mettons dans ces logements intermédiaires ne sont pas suffisamment, pris en compte pour baisser le coût du loyer. Il y a un vrai problème d'équilibre des avantages à obtenir. Il faudrait effectivement arriver à faire en sorte que les loyers sur le marché privé soit moins élevé parce qu'on répercute mieux les avantages des marges de la loi Girardin ou de la loi locale,
Et je dis bien qu'il faut bien que quelqu'un garde ses avantages aujourd'hui. Donc, s'il y a un vrai partage, on pourra avoir une baisse des loyers. Et cette baisse des loyers permettrait à un certain nombre de ménages qui aujourd'hui se tournent vers l'OPH, leur permettrait de se tourner vers ces loyers libres, si vous voulez, quitte à les aider avec une aide familiale au logement qui viendrait compléter. Et cela permettrait à l'OPH de se focaliser véritablement sur les loyers, les ménages qui ont besoin de logements très aidés. Et à ce moment-là, on pourrait déjà rééquilibrer les choses. Mais franchement, en termes de moyens, avant d'en mettre plus, il faut en mettre plus, il y a aussi un partage. Parce que les crédits d'impôt que l'on accorde à la défiscalisation, eh bien, pourraient bénéficier au logement social. Je voudrais dire aussi que, pour comble de malheur, l'OPH est toujours perdante et souvent perdante en matière de foncier. Le foncier est rare, le foncier est cher. Or, le privé est toujours plus rapide dans sa décision que les services publics. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'OPH ait ses propres, finalement, moyens, et moyens humains, mais moyens financiers, pour se doter lui-même de ses réserves foncières? En tous les cas, peu importe la réponse, il faut que nous soyons beaucoup plus percutants, si je puis dire, parce que là, l'offre de terrain est rare et l'OPH, je peux vous le dire aujourd'hui par exemple, mis à part les terrains qui sont réservés au contrat de projet, n'a pas de réserve foncière. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont arrêtées pour des revendications foncières. Il y en a 219, il y a 219 logements qui correspondent à plusieurs opérations qui sont arrêtés à la date d'aujourd'hui uniquement parce que les terrains sont revendiqués après coup, squattés ou font l'objet de contentieux. Donc, ces terrains-là sont indisponibles, les opérations sont bloquées. C'est pour ça que vous avez l'impression que l'OPH a beaucoup de moyens et un résultat excédentaire. Mais en fait, c'est de l'argent qui lui a été versé par ses bailleurs pour investissement, bailleurs financiers, mais qui ne peuvent pas utiliser parce que les opérations sont bloquées. Un autre exemple en matière foncière, l'OPH n'a accès, quand elle en a accès, qu'à des terrains ou qui ne sont pas viabilisés, qui ne sont pas aménagés. Donc elle doit jouer, l'OPH doit jouer le rôle d'aménageur également. Est-ce que c'est à l'OPH toujours de jouer le rôle d'aménageur, de faire les routes, faire les ponts, faire les stations d'épuration? Tout cela coûte cher, effectivement, dans le coût final et amène évidemment pour les nouveaux logements à avoir des loyers d'équilibre qui sont élevés. Donc, je plaide également pour une approche globale de la problématique du logement qui est, et je crois que Mme Parker l'a dit, qui intègre à la fois le travail sur le foncier, le travail des aménageurs, le travail des constructeurs et évidemment après tout l'accompagnement social. Donc, toutes choses auxquelles tout le monde est sensible, la difficulté c'est d'arriver à mettre tout cela en musique et je pense que sans une orientation politique forte à la fois venant du gouvernement et de l'Assemblée, on n'arrivera pas à faire converger toute cette vision des choses. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il faudra que, comme on a eu un schéma d'organisation sanitaire, on ait un schéma d'orientation en matière de logement qui détermine clairement comment on met en musique sur 5 à 10 ans tous les moyens nécessaires. Je vous donnerai un dernier exemple. Le PAB, le PHB ont été conçus comme des outils de relance économique et le sont toujours. Pour moi, ils doivent être considérés comme des outils d'accès au logement. Donc,
on essaye de retravailler aussi toutes ces mesures. La défiscalisation, l'aide à la construction, le PAB, le PHB. Voilà des mesures où on met beaucoup d'argent public, mais pas suffisamment coordonné pour une politique de logement en général ou une politique d'habitat. Voilà, c'est une correction qu'il faut faire. Moi, je ne prétends pas pouvoir la faire en quelques mois, mais je pense par contre qu'on ne pourra le faire que s'il y a une volonté publique très large et durable pour le faire. Et j'insiste, hein, quand on compare avec l'éducation et avec la santé, on s'aperçoit qu'on n'a jamais effectivement mis suffisamment les moyens pour résorber ce qui est aujourd'hui la plus criante des inégalités entre les Polynésiens. Merci. Merci, Madame le Ministre. J'ai cru comprendre qu'au niveau des 7000 demandeurs de logement, qu'en fait vous aviez mis un bémol et qu'il s'agissait de moins et vous n'êtes pas intervenu sur ce sujet, je vous demanderai de nous donner quelques précisions. Avant cela, me semble-t-il également sur les logements intermédiaires, dans le cadre d'une défiscalisation, il y a la possibilité de restitution au projet que le promoteur fait plus ou moins et qui contribue à donner des loyers accessibles en fonction du pourcentage de restitution des loyers au projet. Vous avez dit aussi, madame, que le foncier était rare et cher. J'ai tout de suite pensé à Hitimhana, à Mahina, et j'aimerais que vous nous donniez notre position, votre position sur l'acquisition de ce terrain à Mahina. Et vous avez parlé, madame, de PAB et de PHB facilitant l'accès au logement. Oui pour le PHB, non pour le PAB. Le PAB n'a pas cette vocation. Le PHB, oui. C'était une précision que je voulais vous donner. Pouvez-vous nous indiquer la valeur réelle des demandeurs de logement, ces fameux 7000 demandeurs, et pouvez-vous nous donner quelques informations sur ce très beau terrain de Hitimhana destiné au logement qui a échappé, me semble-t-il, à l'OPH. Pour quelle raison ? Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, en ce qui concerne la demande de logement, l'année dernière, au mois de décembre, au dernier trimestre de l'année 2007, l'OPH a entrepris une réactualisation de tous les dossiers de demande de logement en habitat dispersé ou en habitat groupé. Il s'agissait pour les demandeurs de remplir de nouveaux formulaires qui permettaient d'actualiser les informations et surtout de coter les informations de telle manière que les personnes les plus prioritaires bénéficient d'un nombre de points plus élevé pour pouvoir être servies en priorité. Il y a une campagne importante qui a été réalisée. L'OPH a dépensé des moyens pour effectivement aller dans toutes les mairies en proximité des demandeurs. Il y a eu par ailleurs d'autres réunions, moi-même j'en ai fait avec un certain nombre de communes, et on s'aperçoit, et c'est curieux, que les 7000 demandes ne sont pas au rendez-vous. À la date d'aujourd'hui, il y a 2500 personnes seulement qui ont actualisé leur dossier sur les 7000 qui sont un stock cumulé depuis des années, puisqu'on a des demandes qui datent encore de la fin des années 90, début 2000. Donc, le point d'interrogation que l'on peut avoir à la date d'aujourd'hui est de savoir si ce sont des personnes qui ont renoncé à leur demande parce qu'elles ont trouvé une autre solution, et ça serait tant mieux. Ou, deuxième explication, qui est aussi probable, c'est qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas encore été touchées par l'information. Et je me servirai de vous, si vous voulez bien, comme relais. C'est important que ces personnes viennent actualiser leur dossier, puisque cela permet de leur donner, grâce à l'ancienneté du dossier, une avance en nombre de points et ça permet surtout d'actualiser leurs demandes. Mon projet est
d'envisager de demander au conseil d'administration de l'OPH qu'à la fin du mois de décembre, les personnes qui n'auraient pas réactualisé le dossier voient leur dossier mis en sommeil, si je puis dire, et réactualisé dès qu'elle viendrait, de façon à ce qu'on parle, on parte sur un vrai chiffre. Parce que si la vraie demande, elle est de 3 000 ou de 4 000, c'est quand même pas la même chose que 5 000. Hein? Voilà, donc c'était le premier point. Alors, pour ce qui concerne la défiscalisation, c'est vrai que par un système, le système de la défiscalisation doit permettre au pouvoir public de récupérer une partie des crédits d'impôt qui ont été abandonnés sous la forme de rétrocession. Et ça doit se voir notamment par le biais des loyers que l'on facture aux locataires pendant les années pendant lesquelles il faut louer. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a une anomalie, c'est que l'on constate que la presque totalité des promoteurs fixent leur loyer au plafond maximum autorisé par la loi. Et il est important de comprendre pourquoi ils sont toujours au plafond, alors que curieusement, il semblerait qu'ils puissent baisser. Voilà, donc je suis à l'heure actuelle en train de faire une étude et je me rapproche du ministre des Finances pour que les contributions vérifient mon analyse. Mais je m'interroge parce que avec les mêmes outils en Calédonie, on arrive à avoir des conditions de location beaucoup plus intéressantes. C'est vrai que le foncier y est moins cher, mais il y a quand même une interrogation à avoir. Et je vous dirais que un élément qui m'intrigue, c'est que certains des promoteurs aujourd'hui de logements intermédiaires cassent les prix en matière de loyer, les baissent considérablement parce qu'ils n'arrivent pas à les louer. C'est donc quand même bien qu'ils ont des marges non négligeables. Voilà. Alors, c'est pour cela aussi que je m'interroge sur l'utilité que nous pourrions avoir à promouvoir la création ou le développement d'un autre opérateur de construction qui serait contrôlé par la puissance publique de telle manière que nous puissions faire une sorte de concurrence aux promoteurs privés pour justement essayer de tirer à la baisse les prix et surtout que notre collectivité récupère les efforts qu'elle fait. Alors, pour ce qui concerne Hitimahana est effectivement un lieu que je connais depuis longtemps et effectivement, il y avait une RHI qui était prévue dans le cadre du contrat qui est une RHI qui est en route depuis un certain nombre d'années. Mais Hitimahana n'a pas été inscrit dans le contrat de projet. Ça n'a pas été retenu à l'époque. Hitimahana a fait l'objet d'un achat effectivement par l'OPH en 2007. Mais c'était sous réserve que l'OPH soit doté des moyens financiers pour payer ce foncier. Or, il s'est avéré que l'OPH n'a pas reçu ces moyens financiers, n'a jamais été capable de payer cette acquisition, qui était de l'ordre de 350 millions, a été condamné par la justice à payer au propriétaire plus d'un million d'intérêt par mois, et compte tenu de ces deux raisons, nous avons considéré que le fait qu'il était difficile d'envisager une RHI et sur le terrain, et que nous avons préféré, le conseil d'administration en a discuté, monsieur Giros était là, on a discuté et nous avons accepté de revendre le terrain au même prix qu'il avait coûté. Mais comme l'OPH ne l'a jamais payé, voilà, on en est là. Ce qui est très dommage, je dois dire, parce que de mois en mois, le nombre de personnes qui habitent sur le site de Hitimahana tend à augmenter. Hein, et entre les relevés qui ont été faits il y a un an, je crois, par le service des affaires sociales
et le nombre de personnes dont on nous dit qu'elles y sont, eh bien, il y a une différence. Voilà. Donc, on peut être très soucieux, effectivement, du devenir de Hitimahana, mais je dois dire que, et l'OPH et moi-même, nous sommes prêts à envisager la possibilité de venir en aide aux personnes qui sont à Hitimahana dès lors qu'on en aura les moyens, et surtout les plans. Merci, madame. Je voudrais répondre sur le PAB et le PHB. C'est vrai que le prêt à l'habitat permet d'accéder à un nouveau logement, construction ou appartement, mais le PAB vise à améliorer l'habitat et s'il est bien cadré, il peut être un outil intéressant pour ajouter une pièce supplémentaire quand la famille grandit, par exemple. Oui, parce que ça a été souvent considéré comme une aide à construire une piscine, quoi. Mais en fait, ça développe l'activité économique. Je dois comprendre de votre réponse concernant Hitimahana que le nouvel acquéreur, Madame le Ministre, a donc ôté une épine du pied de l'OPH. Ça a été le sauveur de l'OPH, moi, si je comprends bien votre démonstration. Vous vouliez dire quelque chose de plus, madame? Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai oublié de répondre à Madame Algan à propos de... De l'AFD, effectivement. Je voudrais effectivement dire que l'AFD, qui a été le bailleur de fonds de l'OPH et du logement social longtemps, avait renoncé à l'être, avait refusé de l'être compte tenu de la situation de l'OPH et notamment l'augmentation des impayés dont je signale qu'ils sont à la date d'aujourd'hui de 2,4 milliards. Ça croît d'année en année. Mais pas en taux, puisque le taux de recouvrement est remonté aujourd'hui au 31 décembre à 48%. 49,29. Elle suit ça au jour le jour, pratiquement. Alors, je voulais dire que ce n'est pas une malédiction, hein, parce que j'ai les chiffres ici. En 2003, le taux de recouvrement était de 71%. En 2003. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à remonter non seulement à 71% mais à 90% à condition que les règles du jeu soient extrêmement claires pour tout le monde. Parce que même si les familles ont des revenus modestes et les plus modestes, on peut les aider avec l'aide familiale au logement, c'est plus une question d'état d'esprit à faire changer. Ça prendra du temps, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et pour la CAH, excusez-moi, il y avait 60 personnes au départ venant de la CAH. Un certain nombre sont partis à la retraite. Les 15 sont partis l'an dernier à la suite d'un plan de départ volontaire qui nous a coûté assez cher, faut le dire. Et il en reste aujourd'hui une trentaine. Vous savez que l'implantation de Tipperary a été fermée. C'est une bonne chose. Et le personnel a donc été réparti. Il y en a 12 qui sont affectés à la tâche d'aller dans les lotissements pour évaluer les réparations à faire, 6 qui s'occupent de l'entretien des lotissements, 5 qui sont à la gestion locative de l'OPH et en particulier et c'était des chauffeurs, 4 sont affectés à l'entretien du siège et 3 sont plantons. Pour ce qui concerne le 1% FSH, je trouve personnellement qu'il est très regrettable d'avoir supprimé ce 1% FSH. C'était une erreur historique. En Calédonie, ils ont 2% FSH et un des opérateurs sociaux de Calédonie, qui est donc le FSH, produit environ 400 logements par an. Hein? Donc c'est vraiment dommage que qu'on se soit privé de cela, mais j'espère qu'un jour la CPS reviendra vers le logement et notamment le logement social des salariés. Ce 1% FSH, c'est vrai qu'on a souvent critiqué son utilité. Les salariés auraient souhaité que ça serve à l'investissement. C'est vrai. Et ça servait effectivement à couvrir les déficits de l'OPH. En 2007, par exemple,
il y a 814 millions de loyers quittancés avec les charges et la moitié seulement a été recouvrée. Je rappelle qu'un locataire sur trois paye normalement son loyer dans le mois. Un sur trois. Et donc, il y a également, ce FSH servait aussi à couvrir un déficit de charges qui n'était pas refacturé. N'oubliez pas que l'OPH assure des voies publiques, des stations d'épuration et le coût, comme ce sont des stations d'épuration pour des petites infrastructures, le coût est relativement élevé par rapport au nombre de logements. Il est matériellement impossible de facturer le coût réel de tout cela aux locataires parce que ça serait élevé, trop élevé. J'ai même souvenir qu'il y a un lotissement où les charges sont aussi élevées que les loyers. Donc, il n'est pas possible de facturer cela aux locataires. Donc, le FSH servait également à couvrir une partie de ces charges qui n'étaient pas refacturées. Voilà. Merci. Merci, Madame le Ministre. Nous avons tous fait des erreurs historiques. Je vous annonce qu'il est 10, il est 16h38 et que nous avons l'intention d'arrêter nos travaux à 17h, que nous avons 4 ou 5 projets de délibération à adopter. Est-ce que nous pouvons éviter de poser à nouveau des questions ou de faire des commentaires pour attaquer de suite les projets de délibération, si vous en étiez d'accord? Peut-être que vos questions, vous les poseriez au moment où on débattra des articles des projets de délibération. On commence comme ça. Je vous propose de prendre la première délibération, le premier projet de délibération. Et je demande au rapporteur de nous lire le premier projet de délibération. Article premier. Merci, Monsieur le Président. Article premier. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 7 856 929 408 francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 6 016 059 196. En section 2 d'investissement, 1 840 870 212 francs. Pour un total de 7 856 929 408 francs. Merci, Monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Monsieur Géros, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est quand même dommage que le fait qu'on ait à clôturer notre séance à l'heure indiquée nous oblige à écourter nos interventions, parce que le débat sur le logement social tel qu'on l'a engagé nécessite quand même qu'on ait plus de temps, un espace de discussion et de réflexion plus important pour véritablement poser le problème. Mais ceci étant, je vais utiliser ce que vous me permettez d'utiliser, Monsieur le Président, pour essayer juste de rectifier quelque chose par rapport à Etim Hana, à savoir qu'il y a deux partenaires du conseil d'administration qui ne se sont pas fondus dans la décision qui a été prise par l'ensemble des membres de ce conseil d'administration, tout simplement parce que la problématique de Etim Hana, c'est une problématique sur laquelle nous avons juste apporté un sursis. Et que demain, ceux qui sont actuellement les squatters de la place et que nous aurons l'obligation de reloger si nous ne relongeons pas sur place, vont se présenter au comptoir de l'OPH pour réclamer ce que les 7000 demandeurs de logement réclament à ce jour. Voilà une petite précision que je voulais apporter à l'intervention, mais j'aimerais bien que nous puissions, au sein de notre Assemblée, avoir un débat sur le logement social. Parce que jusqu'ici, j'ai bien compris, et là je rejoins tout à fait Madame la Ministre, que la réflexion doit dépasser le cadre du logement social uniquement, comme l'a exprimé Madame Agami, pour véritablement camper une politique générale qui touche plus à une notion d'habitat qu'à une notion de logement. Parce que le logement aujourd'hui, enfin le règlement du logement, qu'il soit social ou pas social du tout, doit s'intégrer dans le cadre d'une réflexion qui doit porter sur non seulement sur le foncier, mais également sur la situation du foncier
par rapport au territoire urbain ou au territoire périurbain dans lequel doit s'inscrire ou même dans le cadre d'un archipel, comme l'a évoqué M. Vito Mamatoua, et on doit tenir compte en fait de l'ensemble de cette problématique pour pouvoir ensuite nous projeter dans la perspective d'une vision à long terme concernant nos politiques de logement social ou de logement tout simplement. Donc politique de l'habitat. Donc ce qui veut dire que c'est demain on aura plus besoin d'avoir assis à la table du gouvernement un ministre de l'habitat plutôt qu'un ministre du logement social purement et simplement. Maroud. Merci Monsieur Vito Mamatoua. Maroud Pritini. Mon poteau roteï. Aruera wa tatratu itu mono. Parau mo te fahutura itu mo ta motu. Yaniro itu tatu fatrehel yonei. Haponi ti etua. Mite peu et meni. Te veni ti tei putita ta otu itremai. Mo te fahoida e itu tatu mo ta motu hine. Ito tu itu mo motu. Non e u ihoida tu itu mo motu. Tidi atura a hau no rato. Te veida tu momea tu e mo rato. Te verani ki te arata i a papu mite. Te mea ya hiu fatri hel berete ye prono te apa apa ai tatu non au hepote ina tatu pouru te pe wete bene ki te yara tai apa pu mai tai ido to i fatri auto tatu finu non te pahonu ai te ye titaura berete ye titaura non to no ya uana non au to to ti mutu to tatu ide yate te bene ki ya aida to tatu non ai fa hotu hiat motamut maru pritin. Maruro, Madame Sandra Lévy-Agami, puis Madame Maïna Sage et Robert Tonso. Oui, Monsieur le Président, merci. Pour répondre à Monsieur Géros sur son interrogation par rapport à une politique du logement et une discussion qu'il faudrait étendre, j'ai pris l'initiative de demander à Madame la Ministre si elle serait disponible pour venir nous exposer les différents dispositifs en matière d'aide au logement qui existent actuellement. Donc j'ai retenu une date qui est le 22 octobre à 14h. Comme nous l'avons fait pour la PSG précédemment, je souhaite que ce type de rendez-vous puisse se faire mensuellement. Et si une séance sur le sujet ne suffit pas, eh bien, nous envisagerons également une deuxième séance de discussion pour permettre à chacun de nos représentants à l'Assemblée de connaître l'ensemble de ces dispositifs, sachant que en étant représentant de la population, bien souvent nous recevons ces gens et nous serons comme ça à même à pouvoir les diriger vers les dispositifs qui correspondent le mieux en tout cas à leurs besoins. Merci. 22 octobre à 14h et je vous ferai parvenir une invitation à chacun. Arourou. Merci. Madame Maïna Sage, puis Monsieur Robert Tonso. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. Juste pour rappeler, comme nous sommes sur les comptes de 2003 et que Madame la Ministre soulignait le taux de recouvrement de cette année, pour avoir travaillé de 2001 à 2003 au ministère du Logement, il faut dire aussi qu'il y a eu une politique menée en 2003 de proximité, d'accompagnement, mais aussi de fermeté, avec des courriers qui ont aussi sollicité un peu plus la responsabilité des locataires, ce qui a permis d'ailleurs vraiment en 2003 de réduire considérablement les impayés. Je le dis et souligner que derrière, c'est vrai aussi, puisque ça, on a parlé des états généraux, je voudrais quand même rappeler qu'il y a aussi eu les assises en décembre 2003. Qui était le ministre en 2003? Je ne suis pas là pour... pour ça, mais j'ai un tour de mémoire. Je crois que c'est important pour d'en parler. Pourquoi? Parce que on parle de la notion d'habitat en général. Il faut effectivement élargir la politique du logement à une véritable politique d'habitat qui prend en compte les aménagements qui sont autour, l'accompagnement des familles, mais aussi la responsabilisation en quelque sorte des personnes qui bénéficient de cette aide. C'est une aide conséquente. Et malheureusement, c'est un peu cette politique d'assistanat fait que pour certaines personnes, c'est presque un dû. On ne se rend pas compte que c'est quand même des millions qui sont investis
quand on sait qu'à côté de ça, parce qu'on gagne un petit peu plus d'argent, on ne peut pas être bénéficiaire. Et croyez-moi, acquérir un logement, c'est quand même un investissement lourd pour toutes ces familles qui ne peuvent pas avoir un logement social. Et enfin, je voudrais aussi dire à Madame le ministre que je suis complètement d'accord sur l'idée de diversifier les produits en matière de logement. Et à ce sujet, je voudrais avoir des informations sur l'agence immobilière à vocation sociale, avoir un peu quelques nouvelles à ce sujet. Et pour parler des solutions, puisque comme vous le dites, on a largement débattu des différentes problématiques, mais en termes de solutions, c'est simplement pour aussi dire qu'il faudrait être courageux, mais il faudrait arriver quasiment à un anonymat en matière d'attribution, ce qui enlèvera tout débat sur des jugements subjectifs en matière d'attribution de logement. Merci. Merci, madame. Je partage votre analyse et vos commentaires. J'ai dit moi-même à madame le ministre que la période était propice aussi pour utiliser les nouveaux Tavana sur le territoire desquels existent des lotissements. À partir du moment où les élections interviendront maintenant dans 6 ans, ils sont moins contraints peut-être de faire en sorte que les propriétaires ou les locataires puissent venir un peu les titiller pour leur réélection. Là, nous avons une période entre guillemets de calme électoral et ce serait intéressant de mobiliser les Tavana dans, j'allais dire, la sensibilisation des locataires au fait qu'ils doivent payer leur loyer. Et que s'ils ont des difficultés, il y a peut-être des possibilités de les aider. Monsieur Tonceau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour tout le monde. Ma question, elle est complémentaire aux propos de la représentante Maynassage concernant le taux de recouvrement. J'ai bien noté qu'avant 2002, on avait atteint 70%, et puis en début 2003, on est tombé à 42% pour remonter à 45%. Et aujourd'hui, pour remonter jusqu'à 48-49. Alors, il s'agit de savoir, est-ce que, pour améliorer le taux de rendement, l'OPH dispose des agents de recouvrement qui pourraient visiter de temps en temps ou régulièrement, notamment en fin de mois, les familles en difficulté pour les rencontrer, discuter, pourquoi pas conseiller. Il ne s'agit pas d'agents sociaux, mais je pense qu'il est important, si on veut aujourd'hui la devise, si on veut récupérer son pognon, on va les visiter. Et je sais qu'à l'époque difficile, la Socredo, qui était dans le même cas vis-à-vis des perliculteurs, avait décidé non plus d'attendre à ce qu'ils viennent payer à la banque, de recruter des agents pour tourner dans les îles, et aller visiter les familles en difficulté pour de paiement, et ils ont pratiquement doublé le taux de recouvrement. Voilà ce que je voulais poser comme question. Merci bien. Oui, avant de vous donner la parole, Madame le Ministre, Monsieur Tony Géros. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas aussi pessimiste que Madame Maynassage sur la gestion qu'elle nous a exposée de ce qu'était le niveau de recouvrement en 2003 des loyers, puisque le véritable décrochage, je parlais tout à l'heure de problématiques structurelles, le véritable décrochage a eu lieu lorsque ce loyer d'équilibre a été mis en place. Ce loyer d'équilibre, avant, le loyer était uniforme. Donc on pouvait imposer des paramètres qui allaient induire, en perspective d'extrapolation, des effets qui allaient créer les effets escomptés par rapport aux paramètres qu'on mettait en place, tant que le loyer était uniforme. Mais en 1999, il s'est passé qu'un des bailleurs de fonds a été introduit à travers le crédit, et donc là, des nouvelles conditions relationnelles ont été mises en place, et ces relations relationnelles, ces modalités d'accession, d'accession au crédit ont généré des contraintes plus importantes par rapport aux clients qui demandaient à accéder au logement. Et donc c'est à partir de là qu'effectivement le loyer d'équilibre a émergé, et ce loyer d'équilibre fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve sur des situations complètement aberrantes
où le voisin du balcon d'en face, qui a bénéficié d'un logement en même temps que moi, ben, paye un loyer inférieur à mon logement, alors que quasiment on occupe un logement public qui nous a été donné par l'OPH au même moment, mais malheureusement qui fait partie de deux programmes de construction différents, donc qui a généré un loyer d'équilibre différent. Mais je sais que, et je demande à Madame la ministre de le préciser, je sais qu'aujourd'hui nous essayons d'apporter une correction à cela, et j'espère que très rapidement les outils qui vont être mis en place vont nous permettre de corriger cette imperfection, parce que sinon, moi je me pose la question de savoir si l'AFL va véritablement produire les effets qu'on attend de l'AFL, si on reste sur des loyers qui sont gérés par ce paramètre de loyer d'équilibre comme on l'a vu depuis 1999. Merci. Madame le ministre, vous avez la parole. Pardonnez-moi. Madame Vernodon, vous avez la parole. Monsieur le Président, je reprends ce que vient de dire Monsieur Gérance, mais j'ai lu dans le rapport de présentation qu'en fait, sur les près de 2 milliards d'impayés, il y a quand même 1,7 dans le parc ancien où il n'y avait pas l'aide familiale au logement et seulement 280 millions dans le parc nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Concrètement, et je rejoins tout à fait votre intervention, Monsieur le Président, de dire qu'il faut de plus en plus que l'OPH travaille avec les communes et en amont et en aval. En amont sur la demande de logement, sur l'aménagement, sur les possibilités dans chaque commune de répondre aux besoins de logement. Je disais, Monsieur le Président, que j'étais tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de l'OPH de travailler avec les communes et en amont sur la demande de logement, la possibilité d'aménagement dans la commune, de répondre aux besoins de logement, de les adapter, et en aval sur le parc ancien. À Piret, par exemple, nous avons 13 lotissements sociaux. 20% des logements de Piret sont des lotissements sociaux. Ce sont des lotissements qui ont mal vieilli. Et c'est dans ces lotissements, dans les vallées, que nous trouvons la plus grande précarité. Et en ce moment, la situation est difficile. Pourquoi? Parce que les familles ont du mal à maintenir leur emploi actuel ou à trouver un emploi. Et en même temps, l'OPH a commencé à faire pression, et c'est normal, sur les familles en demandant pratiquement de pouvoir payer un double loyer, c'est-à-dire le loyer actuel, et commencer à rattraper les loyers impayés, surtout quand c'est 18 310. Mais en même temps, les communes aussi profitent de ce début de mandat pour réclamer aux familles les taxes communales impayées. Et dans les lotissements sociaux, on est à plusieurs centaines de milliers de francs d'impayés. Et on demande aux familles de revenir avec ce geste citoyen. Donc, vraiment, c'est très difficile actuellement, compte tenu d'une situation de précarité aggravée, parce que les familles, finalement, sont un peu prises en étau. Et alors même qu'elles se sont endettées, parce que comme il n'y avait pas de pression sur les taxes communales, sur le loyer ces dernières années, ben elles en ont profité pour s'endetter. Et aujourd'hui, eh bien, encore une fois, elles sont prises en étau, et par les banques, par les crédits qu'elles ont, par l'OPH, par la commune, et il va vraiment falloir que tous ensemble nous trouvions des solutions, parce que au départ aussi, c'est la question de la solvabilité des familles, et on n'a pas évoqué aussi la question de la promiscuité, de la cohabitation dans tous ces lotissements sociaux, et de la dégradation des logements anciens. Alors c'est vrai que dans le contrat de projet, il est prévu un volet réhabilitation, mais il n'y a, je crois, qu'il y a moins de 200 logements prévu en réhabilitation annuelle. On est vraiment face à une difficulté immense qui nécessite déjà de notre part ici à l'Assemblée un énorme effort de consensus, de partenariat et surtout de volonté politique.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. On pourrait peut-être imaginer mettre à la disposition des locataires des moyens matériels et leur demander à eux-mêmes de réhabiliter leur logement. Ce serait une possibilité. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, avec toutes vos questions, de compléter l'information. Alors, pour ce qui concerne le recouvrement de proximité, l'effort est poursuivi. Hein, pour vous donner quelques chiffres, il y a 1000 lettres de relance qui sont adressées par an. À l'heure actuelle, 300 plans d'apurement ont été signés, et parfois jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire qu'on a des familles qui ont capitalisé un tel retard et qui ont de si faibles revenus qu'elles s'engagent parfois à payer 5000 francs de rattrapage par mois. Mais c'est déjà, même si c'est symbolique, c'est déjà important parce qu'elles payent leur ancien loyer souvent, plus ces 5000 francs, et on est dans une perspective de prise en compte de la réalité. Alors, il y a également jusqu'à 10 agents en permanence sur le terrain pour aller au plus près des locataires, leur rappeler qu'il faut payer le loyer. Il y a eu en 2007 239 commandements de payer. Mais malheureusement, ce que l'on peut dire, c'est que le résultat est assez décevant, si je puis dire. Pour vous donner une idée, en 2003, l'OPH avait dépensé 3,2 millions de frais d'huissier en 2003. En 2008, sur 9 mois, 8,9 millions ont été dépensés en frais d'huissier, mais pour un résultat qui est médiocre, parce que le problème est beaucoup plus profond. C'est le problème de la faiblesse des revenus d'un certain nombre de familles. Et là, on rejoint le problème économique et de l'insertion économique, mais aussi de l'endettement, qui est effectivement important. Et jusqu'à présent, eh bien, les banques ou les organismes de crédit passent avant l'OPH. Et c'est ce qui explique que sur les recommandations du livre blanc du logement, et je pense des assises du livre blanc du logement plus exactement, nous sommes en train de finaliser une loi de pays qui va essayer d'obtenir que les créances de l'OPH deviennent des créances privilégiées. Ce qui veut dire que si on ne nous met pas des bâtons dans les roues sur le plan juridique, les loyers de l'OPH devraient être payés avant la voiture, avant toute autre acquisition de biens d'équipement. Hein? Mais encore faut-il faire passer ce texte. Pour ce qui concerne les loyers dont parlait M. Giros, c'est vrai qu'il connaît bien le problème. Et parmi les recommandations qui ont été faites et les actions que l'OPH doit mener en 2008 et sur début 2009, il y a effectivement un plan d'action pour la réforme des loyers. Il est tout à fait exact qu'il y a un problème de cohérence. Dans les anciens logements, le loyer est de 18 310 francs, et dans les nouveaux logements construits depuis 2000, il y a des loyers extrêmement différents. Et les gens ne comprennent pas qu'ils aient à payer des loyers différents, alors que souvent, ils habitent dans des logements proches ou qui se ressemblent. Donc, l'OPH a utilisé l'expertise d'un professionnel qui exerce à La Réunion et qui est venu faire une analyse de la situation et qui a fait une proposition pour que en quelques mois, on arrive à harmoniser les loyers, c'est-à-dire à faire en sorte que les loyers payés ne soient plus aussi différents les uns des autres et que l'AFL vienne ensuite compléter pour les familles qui seraient en insuffisance de revenus. Alors, pour ce qui concerne les opérations de réhabilitation, c'est vrai qu'il y a des logements anciens, notamment collectifs, mais individuels aussi, qui ont très mal vieilli, faute sans doute d'entretien aussi régulier par les locataires, et puis plus généralement. Mais ce sont des vraies opérations, si je puis dire, de RHI, puisqu'il faut que les gens sortent de leur logement pour qu'ils puissent être rénovés.
Et c'est ce qui explique que parmi les acquisitions immobilières que vous avez eues à examiner, les projets d'acquisition immobilière que vous avez eu à examiner, il y a eu l'acquisition d'immeubles qui existent déjà et qui vont nous servir dans ces opérations à tiroir pour permettre justement, dans le cadre du contrat de projet, mais ça ne rentre pas dans les crédits du contrat de projet, pour permettre justement qu'on puisse sortir les personnes le temps de rénover leur immeuble. Après, il faudra évidemment ne plus tomber dans l'erreur de les abandonner et travailler avec eux pour qu'ils respectent effectivement leur logement et qu'ils apprennent à vivre bien avec les communes. Alors j'ai oublié de dire évidemment que je souscris complètement à votre idée de travailler avec les communes. Il ne faut plus qu'on travaille avec les maires comme avant, effectivement, le maire étant là pour forcer en quelque sorte le dossier des uns et des autres. Il faut travailler complètement autrement. Du reste, certains d'entre vous le savent peut-être, lorsqu'il y a maintenant des commissions d'attribution de logements, les maires des communes concernées sont invités à participer à toutes les commissions d'attribution. Il y a une transparence complète puisque la commission technique de peuplement permet de définir avec eux qui, quel type de famille, pour quel projet on va faire la sélection, si c'est de la décohabitation, sortie d'habitat insalubre. C'est eux qui déterminent par rapport à leur connaissance du terrain quel type de famille doivent être prioritaires. Ils participent à la sélection, donc tout est absolument clair et ils ne peuvent même pas faire passer leur dossier puisqu'il y a des règles, et M. Géros le sait très bien puisque il était au ministère du Logement quand les choses ont été finalisées. Aujourd'hui, il y a des critères tellement objectifs que les hommes politiques ou les femmes politiques ne peuvent plus rien faire, et les maires, il faut travailler avec eux avant, pendant et surtout après. Vraiment, ça doit être des partenaires. Je l'ai déjà dit ici, ils sont les meilleurs connaisseurs du terrain de leur commune. Voilà. Et j'oubliais une chose, la directrice de l'OPH m'a bien dit de le dire, l'AFD a repris, s'est engagée à reprendre les financements de l'OPH parce qu'elle a vu que l'OPH était un bon élève. Voilà. Merci, madame. C'est très important. Je rappelle qu'en matière foncière, nous disposons d'un terrain de 800 hectares à Hitia, madame, hein, à votre disposition. Mais madame Sage vous a posé une question sur l'agence immobilière, s'il vous plaît. Merci. L'agence immobilière sociale, effectivement, a été créée. Elle est en cours d'installation. Actuellement, il y a une subvention en cours qui doit lui être attribuée et sa vocation va être de venir compléter l'action de l'OPH, en particulier donc pour les ménages qui sortent par exemple des dispositifs d'urgence, des ménages qui sont suivis, des familles qui sont suivies par les travailleurs sociaux et qui n'ont pas actuellement de logement, qui sont en attente de logement de l'OPH, par exemple. Je prends le cas de Veil-Ami. Nous avons sorti avec un travail extrêmement long et patient, mais en même temps, vous savez, c'était, comme on dit, main ferme dans un gant de velours. Nous avons réussi à les sortir de Veil-Ami en les persuadant d'accepter d'aller dans des logements du privé ou dans des familles en attendant. On peut très bien imaginer que l'agence immobilière soit là pour négocier avec des propriétaires des logements à des conditions intéressantes, parce qu'il faut évidemment que ce soit qu'il y ait un rapport qualité-prix qui soit intéressant et que on puisse utiliser ces logements pour permettre aux familles qui sont dans cette difficulté et qui n'ont pas encore un point de chute définitif de bénéficier de ce logement transitoire, mais sans avoir l'épée de Damoclès qui existe à l'heure actuelle du fait de l'organisation des aides sociales au loyer, par exemple de la CPS, qui fait qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus d'aide.
Donc, l'agence immobilière va venir renforcer les possibilités de logement, donc c'est une association, en attendant que les familles trouvent un logement définitif. Voilà. Merci, madame. Je vous propose de passer au vote de l'article 1. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, je vous remercie. Article 2, monsieur le rapporteur. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 7 852 859 620 francs, ses décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 5 622 216 963. En section 2 d'investissement, 2 230 642 657 francs, pour un total de 7 852 859 francs. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Je mets l'article 2 aux voix. Qui est pour ? À l'unanimité, je vous remercie. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette pour section de fonctionnement et d'investissement pour 7 856 929 408 francs. En dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 7 852 859 620, pour un résultat de 4 069 788 francs. Merci, monsieur le rapporteur. Article 3, la discussion est ouverte. Je mets au vote. Ceux qui sont pour, même vote. Adopté. Article 4, monsieur le rapporteur. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2003, soit un excédent de 393 842 233 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau, pour un solde créditeur de 393 842 233 francs. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au vote. Même vote. Merci. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, monsieur le rapporteur. Article 5. Même vote. L'ensemble. Merci. Adopté. Je vous propose de nous lire la délibération sur le compte financier de l'exercice 2004. Vous avez la parole. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 6 1 405 777 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 4 675 736 565 francs. Section 2 d'investissement, 1 325 669 212 francs. Pour un total de 6 1 405 777 francs. Merci. La discussion est ouverte. Je passe au vote à l'unanimité. Je vous remercie. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 6 703 986 782 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 4 529 305 856. En section 2 d'investissement, 2 174 680 926. Pour un total de 6 703 986 782 francs. Merci, la discussion est ouverte. Je mets aux voix, même vote, adopté. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette de fonctionnement et d'investissement pour 6 1 405 777 francs, en dépense pour 6 703 986 782 francs, pour un résultat moins 702 581 500 francs. Merci. Discussion est ouverte. Article 3, je la mets au vote. Même vote, adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2004, soit un excédent de 146 430 709 francs,
est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur pour 146 430 709 francs. Merci, la discussion est ouverte. Je mets l'article aux voix, adopté à l'unanimité. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Article 5, même vote. L'ensemble de la délibération, même vote adopté. Je vous remercie. Troisième délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005. Vous avez la parole. Article 1. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 8 039 858 137 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 4 580 729 540. En section 2 d'investissement, 3 459 128 597 francs. Pour un total de 8 039 858 137 francs. Merci. La discussion est ouverte. Je passe au vote. Même vote à l'unanimité. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 6 764 436 072 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 4 514 591 503 francs. Section 2 d'investissement, 2 249 844 569, pour un total de 6 764 436 072 francs. Merci. Article 2, discussion est ouverte. Je mets au vote à l'unanimité. Merci. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, pour un total de 8 039 858 137 francs, en dépenses pour 6 764 436 072 francs et pour un résultat de 1 275 422 065 francs. Merci, monsieur le rapporteur. Article 3, discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au vote à l'unanimité. Adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 66 138 037 francs, est affecté au compte 110. Report à nouveau pour un solde créditeur de 66 138 037 francs. Merci. Article 4. Pas de questions. Je soumets au vote à l'unanimité. Je vous remercie. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Je soumets au vote. Même vote. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Je vous propose de passer à la dernière délibération, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et je vous libère ensuite. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 10 307 503 745 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement. 6 341 359 059 francs en section 2 d'investissement pour 3 966 144 686 francs pour un total de 10 307 503 745 francs. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Article 1er, je mets au vote à l'unanimité adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 8 965 528 747 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement pour 5 857 045 779 francs, en section 2 d'investissement pour 3 108 482 968 francs, et pour un total de 8 965 528 747 francs. Merci. La discussion est ouverte.
Je soumets ça à votre appréciation à l'unanimité. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, pour un total de 10 307 503 745 francs. En dépenses, pour 8 965 528 747 francs. Et pour un résultat positif de 1 341 974 998 francs. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions. Je mets au vote à l'unanimité adopté article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un excédent de 484 313 280 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau pour un solde créditeur de 484 313 280 francs. Merci. Je mets au vote adopté à l'unanimité article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Je mets l'article 5 au vote à l'unanimité. Merci. Adopté. Tel que je vous l'ai laissé entendre, nous allons dorénavant suspendre notre séance pour la reprendre mercredi 8 octobre à 9h. Mercredi 8 octobre à 9h et nous commençons par l'examen du compte financier 2007 de la Caisse de soutien de prix du Copra. Madame le ministre, nous vous remercions. Avisez votre collègue de cette réunion mercredi à 9h de façon à ce que nous puissions débattre avec lui. Passez une bonne soirée. À mercredi. Yorana.